Bonsoir. Bonsoir, absolument. Ça va ou quoi? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez votre gamer fuel, vos gamer nuts et vos Doritos, un petit poulet de Bresse peut-être, des huîtres de Paimpol, deux trois trucs pour être sûr de tenir dans cette grosse session de gamer. Alors, on va faire du hunt avec deux gros débiles. Je parie 3 décos durant ce live. Nice, super. Ça c'est bien, ça c'est positif ça. On va faire du hunt en première partie, puis ensuite on fera du Fallout 4. Je sais pas combien de temps va durer la partie de hunt, mais j'aimerais bien en faire un petit peu quand même. Voilà, on verra entre nous de toute façon. J'ai du pain et des chewing-gum, ok. Le soldat américain. Bref, on va rejoindre les autres débiles dans leur conversation. Je vous rappelle la règle, le premier qui parle, c'est un gros PD, attention. Et en fait, je pense... Comme d'habitude. Attends, s'il te plaît, par contre, tu fais ton truc, vas-y. On est en pleine discussion là. Vas-y, pense ta discussion, le stream c'est pas grave, on attendra. Parce que, c'est parce qu'on parlait de Dragon's Dogma justement, parce que t'as foutu les musiques, et je disais que moi, le jeu au final, bah, on me l'avait vendu comme un truc super ouf, tout ça, et je m'étais fait chier, tout ça, parce que tu te faisais... qui passait, comment dire, le truc où, tu sais, faut transporter la tête de l'hydre, là. Sur le long passage, comment ça m'avait cassé les couilles. Mais tu sais pourquoi ça? Je t'ai déjà expliqué un nombre incalculable de fois. Que, ouais, parce que je suis impatient, que je suis un connard et que je suis un casu. Et si, un casu, un connard, c'est pas forcément ce que je cherchais. Mais c'est parce que t'es un peu un de ces enfants sous ADHD en fait. Il faut, vite, mon personnage niveau 1, il faut qu'il ait des combos de 60 chaînes, mon gars, vite. Écoute, cet enfant, il a eu droit à son Devil May Cry 5 pendant que vous, les adultes, eh ben, vous attendez toujours Dragon's Dogma 2, allez vous faire enculer. Oh, mais personnellement, je m'en bats les couilles. Franchement, Dragon's Dogma, Dark Horizon, je suis allé jusque à la fin, entre guillemets, mais j'ai pas continué après ça, j'ai pas fait le endgame, j'ai pas fait les derniers niveaux à la fin et tout. Je trouve pas qu'il soit chiant ou quoi, c'est un excellent jeu, je trouve, mais il y a certains trucs qui sont, ouais, poussifs. Et beaucoup de trucs qui sont chiants, notamment tout ce qui est hit stun et tout. À chaque fois que t'as un ennemi dans le cul, si tu veux, tu passes ouais. 2 minutes, tu joues pas, quoi. C'est pas drôle. Est-ce que ça va niveau son? Est-ce qu'on entend autant Momo ouais. que Spider? Ouais, je suis désolé, j'ai encore un peu de... Ouais, t'as mal dormi. Ouais, j'ai mal dormi. Je crois que j'ai fait un tour de cadran, genre... parce que vous streamiez encore hier, quand je suis allé dormir. Oui. Et je me suis réveillé, je crois, à 10h30 ce matin. Donc je crois que j'ai fait littéralement 12 heures de sommeil. Ça me fait marrer parce que tu sais, on avait vu Russian arriver en début de stream, tout ça, il parlait. Puis à un moment, il a disparu, du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, il va dormir. Et genre, il réapparaît à minuit, il m'envoie. Bah, du coup, contrôle, ça s'est fait en stream. Je lui fais. Hein? Ah, je viens de me réveiller. Ouais, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit putain, vite, il faut que je demande si ils ont streamé le contrôle hier soir ou quoi. C'est-à-dire, j'avais encore les yeux qui collaient, tu sais, j'écrivais à un œil parce que l'écran de mon téléphone était trop clair. Et du coup, il a demandé, on lui a répondu, il est reparti se coucher. Oui, ouais, bah oui, évidemment. Bah ouais, mais écoute, je suis un papy, hein, et j'ai pris une tisane et puis c'est bon. Hein. Allez, bref, c'est parti. Ma petite camomille. Petit update, ils ont enfin refoutu le jeu en français. Oui, alors j'ai lancé tout à l'heure et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il me semblait pas qu'il était en français avant, mais oui. Bah moi, il est pas en français. Ah ouais. pas de français pour les vrais gars. Ouais. Je suis pas un vrai gars, moi, donc... Et du coup, on parlait d'un truc aussi avant que tu... Bah, dis donc, vous en avez parlé de trucs. Franchement, c'était une discussion, mais fabuleuse. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais, vous m'attendez pas, quoi. On parlait vite fait de MGS4, et tu sais, genre, ça me faisait penser au fait qu'il y a beaucoup de dialogues dans le jeu. Ouais. Et du coup, je demandais à Momo, tu sais, dans les jeux où t'as les dialogues, et tu sais, t'as le sous-titre en dessous. Ouais. Est-ce que, quand t'as la possibilité, tu skips le dialogue quand t'as fini de lire le sous-titre? Oui, ou alors, est-ce que tu laisses quand il y a... Dans Yakuza, je fais ça beaucoup, en fait. Dans Yakuza, en fait, tu sais, donc le texte, il défile. Ouais. Et ensuite, t'appuies sur croix pour passer à une autre boîte de texte, tu vois. Et en gros, ouais, je préfère appuyer 2 fois pour que tout le texte apparaisse d'un coup, que je lis tout super vite et je passe le texte, tu vois. J'attends pas qu'il se passe ou quoi. Je lis à ma vitesse, je lis assez vite, même si j'arrive pas à lire très longtemps, tu vois. Je lis assez vite, du coup, je fais tac-tac-tac-tac-tac pour lire un maximum, parce que je lis en diagonale un peu aussi des fois, j'avoue, dans Yakuza, c'est pas forcément... Mais ouais, mais je suis d'accord, ouais, carrément, je fais ça, moi. C'est pour ça qu'il y a pas, t'es obligé d'aller sur le wiki pour comprendre qui c'est les personnes. Ça doit être ça, ouais. Enfin, lui, on s'en fout, putain, c'est qui lui? Pourquoi il est en kimono? Mais dans MGS4, c'est encore plus compliqué parce que les cinématiques, elles sont lourdes, elles sont longues et il y a beaucoup d'informations dedans. Mais tu vois, c'est dommage qu'on puisse pas faire ça dans Max Payne 3, par exemple.
Mais je l'ai pas fait, Max Payne 3 encore. Ah oh, putain, c'est dommage, mec. Il est tellement bien. Alors, oui, comment on joue déjà? Ok, allez, City part, tout droit. Ah, on commence pas. On va attendre. Non, parce que je suis encore en chargement, moi. Je vais sucer le Chibrax de cet énorme noir qui a devant moi. Doucement, je t'en bats avec des autres, apparemment. De quoi? Pourquoi ma sensibilité est toute sensible? Scholar of Mimes qui dit à part Kuze, au Majima, tu t'en balais avec des autres. Oui, c'est vrai que tu t'en balais avec des autres, mais enfin, à chaque fois quand t'as un truc qui dit, ouah, c'est le fils de machin, non, quoi, Terada, truc, oh là là, et moi je suis devant mon écran, je fais, ah ouais, waouh, Dragon Ball Z, truc de fou, loupé, et ça commence super bien, poteau. Tunk, voilà, impeccable. J'ai du lag, c'est pour ça. Attends, le son du jeu est un petit peu fort, je suis désolé, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Momo? Momo, il est éclaté. Non, le son, il est génial. Ça va au niveau du son? Attends, je vais tirer un coup, si je peux dire, et vous allez me dire sur le chat. Pourquoi? Est-ce que ça va? Juste un cul de cheval. Je crois qu'ils ont enlevé le reste. Ils sont partis avec le reste. Oh, par contre, j'ai l'impression que Discord a l'air de merder pas mal chez moi. Mais j'arrive ça pas à merde un peu chez moi aussi. Ah non, ça va, perso. Tu vois, en fait, quand moi, ça pète, chez vous, ça va, et ça va pas, en fait. C'est quoi? Bien quand tu parles. J'adore quand tu parles et qu'on comprend. C'est quoi là-bas? Non, c'est bon, c'est juste un mec avec une torche, j'ai commencé à flipper. C'est vrai qu'il y a d'autres ennemis dans le jeu, enfin, il y a d'autres humains dans le jeu, faut peut-être faire gaffe. Je suis complètement... Bon. Je pars en... J'arrive pas à tirer ce soir. En PV. Ah, ce soir... Hey. Oh, trop marrant, mec. Non, parce que j'ai vu vos paris de fils de pute, là. Putain, j'ai vu... Tu vois l'entrée du ranch, là, avec le cochon? Je me suis dit, mais comment ce cochon a-t-il pu arriver en haut avant de comprendre que c'était un genre de panneau, en fait? Je crois que ça y est, je suis attardé, en fait. Chut. La gueule. Oh, putain, tu l'as tiré dans le cul, c'est vraiment bâtard. Oh, il y a un gros, faudrait lui envoyer un truc dans la gueule, non? Faut tirer... dessus. Faut... Ah, dis donc. Et heureusement que t'es là, poteau, parce qu'on aurait été dans la merde, hein. Bon, bah, on tire dessus, alors. Faites gaffe, faut s'en suivre. Ouais. Mais c'est rien, ça... Eh, ils s'en servaient pour soigner les gens au 16e, hein. Ouais, alors bon... Il crevait à 35 ans. Mais ça va, on a plus. Bon, bah, on va attendre un petit quart d'heure, le temps que le feu s'en aille, et puis... Ouais. On peut faire la danse de la pluie. Ouais, mais c'est parce que là il fait pas de nuages, donc c'est chiant. Faut qu'il y ait un peu de nuages pour que ça aide quand même. Est-ce que on traverse, au pire on se barre? Non, mais au pire, tu sais, voilà, je veux prendre le truc. Hop, on va. Oh non, pas examiner. F, voilà. Le gros il arrive. On se casse. C'est bon, cours y dire. Il est où le prochain? Il me course ou quoi? Non, ça a l'air bon. En face, sud 195. Ouais. Exact. Donc il y a que le butcher cette fois-ci. Yes. Ouais. Mais ils sont méchants, les chevaux, ou vous les butez parce qu'ils font du bruit? Non, ouais, on les bute parce qu'ils font du bruit. Ouais. Ils ont une voix qui comme porte. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Ouais. Ils ont une voix qui porte un peu comme Garou. Bute, ouais. C'est pour ça, moi j'aimerais bien buter Garou aussi, si jamais à un moment où j'ai du temps libre. Bah arrête, il chante super bien. Il est... C'est vrai qu'il chante bien. Et puis c'est un bel homme. Je sais pas pourquoi. Ouh là là, putain, j'ai des coups de lag, poteau. Ça va le faire à chaque fois, je crois, le coup de lag, en fait. Je pense que c'est parce que mon bitrate était un peu haut. Du coup, ma connexion a du mal à suivre. J'espère que c'est regardable quand même pour vous sur le chat. Une trop grosse bitrate. Une énorme bitrate, poteau. C'est quoi, c'est des chiens ou alors c'est juste des mecs penchés là? Ou c'est juste Momo? Je suis pas penché. Non, non, c'est une moitié de cheval, ça. Ça, c'est deux moitiés de cheval, peut-être. Oh. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ah, que veux-tu Il y a un hive dans le coin, plus ou moins un animaliste. Ouais, mais il y a un flame boy. Oh, merci pour les 100 bits, Nico. Putain, il a filé les 100 bits, ça a fait une explosion sur le chat. Mais oui, mais en plus, du coup, Benoît Poulvord, il a gueulé et ça m'a fait paniquer. Ouais, il y a un truc en feu qui m'attaque. J'ai mon couteau. What the... Faut le percer. What the... Hein? Oui, faut pas le percer, mais là, j'ai pas trop le choix, en fait. Merde, je vais claquer. Non, arrêtez les brûlures. Oh là là là, j'ai pris trop de dégâts. Je vais me sauver. Merde, j'ai mis un pain au vent. Oh là là. Merci beaucoup, Nico. Je suis désolé, tu nous as un peu pris de panique. Bon, he's okay. He's okay? Ok. He's okay. Je vais écraser ma clope parce que je suis encore moins concentré quand j'ai ma clope. Donc, pas du tout là où on est. Ah putain, mais casse-toi, toi, tu vois pas qu'on bosse? Voilà, c'est bon. Pas du tout là où on est.
Ah oui, c'est de la merde en fait. Pourquoi j'ai une option de. Ah tant pis. Ok, top. Ça va, ouais, ça lag pas trop, même au niveau du stream. Salut, taxi, ça va, mec? Ça a l'air d'aller, bonsoir. J'arrive pas à parler, mec. Je suis en transe. Mais ça arrive, en même temps, voilà, bon. Ah. Pas déconner. Par là-bas. Alors. To the west. The wild, wild west. To the west. To the river. J'aurais bien voulu regarder Wild Wild West, mais en fait, tu vois, je me suis dit, allez, je le chope et je le mate. Mais quand je me suis remémoré quelques scènes, je me suis dit, putain, la flemme. Jusque... Ça m'arrive aussi, ouais. Putain. Ça m'arrive très souvent. Tu sais, il y a des fois, t'étais hype par un truc. Ouais. Et il y a un élément dont tu te rappelles, et ça y est, il n'y a plus rien, quoi. Tout s'en va. Ouais. C'est comme dans certains films, tu sais, il y a des scènes un peu cringe. Ouais. Et en fait, genre, je me fais, putain, je vais se remater ce film ou jouer à ce jeu. Et en fait, tu sais, t'as la scène et tu fais. Vas-y, j'arrête. Quoi comme scène cringe, par exemple? T'as quoi en tête? Genre, c'était quoi? Dans Kick-Ass? Ouais. Quand ils sont. Quand ils sont. Dans la bagnole. Tous en train de. Non. De quoi dans la bagnole? Bah, si. Non, c'est Crazy, je crois. Oui. Quand il y a ça, tu sais, et genre, ouais. Ils sont en train de se marrer, tu sais, qu'ils font comme des petits mouvements de tête. Arrêtez, ça m'en va. Oui, ouais. Ouais, non, mais j'avoue, j'ai ressenti la même gêne extrême quand je l'ai maté la première fois, ouais. Alors, c'est fermé en bas, j'espère que c'est pas ici qu'il est, le gros cul. Oh, non, des fois, t'as un peu de l'inverse. Alors, attends, Ocean, viens, regarde en bas là. Ouais. Quand tu vois le symbole comme ça, là, de la rune, enfin de la clou, vas-y, ouais. Descends. Mais j'ai pas envie de descendre si jamais il y a des mecs, non? Non, mais c'est bon, t'inquiète, on les entend tirer, ils sont sur la gauche. Ok. Et j'arrive. Attention, c'est moi qui ouvre là. Attention. Oui. Présentation du coup, l'icône là, quand il y a un trou comme ça, c'est qu'elle a déjà été ouverte la clou. Elle a déjà été découverte par un autre. Et quand c'est en rouge comme ça, avec un faisceau rouge, ça veut dire qu'il y a des ennemis proches. Et en plus, ils sont pas loin. Ah ouais. Un Habil. Wow. Oh là. C'est pardon. Oh, c'est au-dessus. Ok, chaud. Je suis mort. Ok, chaud. Ah, qui a parié que le Spider allait mourir en premier? En tout cas, il a raison. Aïe, aïe, c'est en... Ah, c'est en haut ou c'est en bas? Ah bah, c'est en bas et en haut. Mais c'est surtout en bas. Ah, mais c'est une très mauvaise nouvelle. En plus, il a un fusil à pompe avec une hachette incluse dedans. Oui. Tiens, connard. J'en ai ken un. Oh putain, y'en a un autre. Merde, il est juste là, je suis en train de saigner de ouf. Pourquoi je recharge? C'est pas la peine, j'ai dépensé qu'une seule balle. Oui, donc avec son putain de fusil de chasse, j'avoue que je vais peut-être m'en prendre plein le cul. Non, ce sera une partie courte, hein. Tu peux te soigner ou... Ouais, je peux me soigner, mais faut que j'arrête l'hémorragie avant, je suis complètement à découvert, je me suis très mal placé, il faut que je me pique. Attends, oh là là, il arrive où? Il arrive pas, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Je vais me cacher sous cette lampe, il me verra jamais, il va me confondre avec un mur. Tu me verras jamais, je suis la même couleur que le mur. Je sais pas s'il est encore en bas ou pas. A l'aide. Je vois que dalle. Je suis en fenêtré. C'était une très mauvaise idée. Il est là-bas, je l'ai tagué une fois. Oh. Quel con. Il brûle. Viens là, sale connard, t'es où là? Il brûle. Pourri dire. Putain, j'ai pas tué lui, j'ai tué un autre. Ah merde. Oh putain. C'est la merde, poteau. Concentre tes chakras. Ah, je les concentre de ouf mes chakras, mais je tire juste mal. Alors, j'aime bien mes chakras, mais ouais, il est pas trop bon non plus, il a pas beaucoup de chakras. Viens, on s'arrête. Viens, attends, on fait la paix. Oh merde. Le pire gunfight du monde. De l'humanité, mon gars. Mec, je tremblais, et tu sais, j'ai remarqué ça tout à l'heure aussi. J'étais sur Photoshop, j'étais en train d'essayer de détourer un truc, et j'avais plus aucune précision dans ma main droite, et je sais pas ce que j'ai, mais tout aujourd'hui, ma main droite, elle a fait de la merde. Et je crois que les parties de Hunt vont être super rapides, poteau. Je propose une solution, c'est que tu as de l'autisme, c'est tout. Oui, enfin, j'en ai buté deux, donc toi, t'es où, toi? Hein? Moi, j'étais en train de t'expliquer les règles du gameplay. Ouais, mais c'est dur, ok?
Je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. C'est peut-être ça aussi, je fais une crise cardiaque, hein, mais c'est rien, allez, on va continuer. Si le temps de chargement, si le temps de chargement il passe. T'avais vu ce mec, je crois en Angleterre, qui était en train de faire une crise cardiaque, qui a fini son petit déj et qui s'est conduit lui-même au, à l'hôpital. Oh, le mec, tu sais, il est en train de se serrer le charge. Coco Pops. Le jouet. Le jouet. Bon, bah écoute, au moins on a gagné un petit peu de thunes, un petit peu d'XP. Il a eu temps de lancer sa partie. <C'est pas rire> En plus, vous êtes au niveau, vous, maintenant. Enfin, au niveau. Plus au niveau que moi, en vrai. On a fait 2-3 oui. parties avec WAP, justement. C'était quand, d'ailleurs? C'était... Je ne sais plus du tout. Avant-hier. De toute façon, j'ai rien loupé encore, là. Enfin, j'ai rien perdu, là. Ouais, non, c'est bon. Non, ouais. Non, c'est au parti niveau 11. Ouais. Ça va être bien, ça. Le ouais. niveau 11, ça va être bien, ça. C'est ce qu'on se disait avec Momo, c'est qu'on y approche dangereusement. Ouais, c'est que moi je suis niveau 10 là, je suis à la moitié du niveau 10. ça va Momo? Par contre, si tu pouvais rejoindre Momo, ce serait sympa aussi. Ouais. C'est sympa, mais c'est pas non plus... Ouais, voilà. C'est assez limite de sympathie très rapidement. On t'en faut juste du coup parce que j'ai débloqué une nouvelle arme. Oh là là. Ouais. Allez, on se concentre. Tu sais quoi, je vais baisser les détails. L'équipe, non, j'en ai pas. Je suis sûr que c'est pour ça que j'ai perdu. Oui, sans doute. Non mais c'est toujours bien. C'est... On n'entend pas assez la musique. Non mais... On va la faire. Je pense que le mieux, Russian, c'est quoi? C'est de se convaincre. C'est le principal. Ouais. Non mais c'est les détails, puis j'ai mal à la main, puis la sensibilité, je suis enfenêtré, je suis... Voilà. En plus, moi j'ai mal aux jambes, je joue à la manette. Puis ça pire, je suis malade. Donc franchement, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Je suis malade. Ça me gratte. Ça me gratte dans le préfond. Ça me gratte la touille. Non, par contre, comme je joue en fenêtré en 1366 par 768, j'avoue que je vois moins bien les ennemis. Mais une fois que je les ai engagés, en fait, ça va, quoi. Mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal, moi, sur ce jeu-là. Bah, surtout sur les maps de nuit, forcément, mais j'ai un peu de mal, moi. C'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression que le shooting est tellement lourd que ça sert à rien, genre, de tirer à répétition et faire putain, wallah, faut espérer que ça passe. C'est, en fait, limite, tu tires, tu rates ta balle, tu te concentres, quoi. Ouais, mais bon, je m'en suis pris. Donc, non mais bien sûr, faut prendre son temps, mais ouais, je sais pas, c'était juste pas notre partie, quoi, mais c'est bon, là, celle-là, je la sens bien. C'était une partie de chauffe, déjà. Ouais, voilà, parce que moi, depuis le dernier stream, j'ai pas joué, hein, on est d'accord. Alors, j'ai joué à aucun FPS d'ici là, donc, enfin, depuis... T'as même pas joué à Doom? Non, j'ai joué à Exen, mais pas à Doom. Ah, et c'est pas FPS, Exen. Non mais tu joues avec des matraques, c'est pas pareil. Et il y a un auto-targeting dans Exen, il est écœurant, quoi. Ah ouais. Quand tu joues Claire, je crois, celui qui a justement les deux, il a du corps à corps et un petit peu de distance. La deuxième arme que t'as, c'est une espèce de staff, tu vois, qui balance des boules. Et t'arroses, en fait, et puis ça touche à tout, quoi. Il y a B4 qui t'a affiché littéralement en place publique. Half-Life 1. Mais c'est pas pareil, Half-Life 1, c'est atmosphérique, nanana. Surtout brutal, Half-Life, quoi. C'est encore plus d'atmosphère. Ouais, c'est toujours plus d'atmosphère. Allez, charge ta game, en fait. Ben oui, on a passé beaucoup de temps à regarder les paysages, les... Puis ouais, comme je dis, nanani nanana, quoi. Mais ça va, j'ai téléchargé Control, ça va aller mieux. C'est bon, je suis chaud là. J'ai réussi à le faire craquer. Ah, c'est marrant. C'est pas dire qu'il y a ton arme qui se balade à 1 mètre sur ta droite. C'est pour mieux tirer, ça. Fais gaffe. Il y a ton arme. C'est ton stand. C'est quoi le stand du mec avec le gun? C'est All Horse, je crois, il s'appelle. Ouais, All Horse. All Horse. Merde, c'est une. Ça a pas suffi. Si, ça suffit, c'est bon. C'est une Hive. Ouais, j'ai niqué The Hives. C'est un niveau montant. Alors, ma ouais! D'ailleurs, je me demande ce qu'ils vont choisir comme musique pour Borderlands 3. Je sais que tout le monde s'en branle, mais moi ça marche. C'est vrai qu'on s'en branle. En tout cas, c'est vrai que moi, par exemple, je m'en branle. Pousse-toi un peu, je passe. Je tue juste des trucs. Emperor. I am the Black Wizard. Tu crois qu'ils vont foutre du Emperor dans Borderlands 3? Franchement, ce serait couillu de ouf, hein. Mais étant donné que les ennemis, enfin les deux boss, c'est des streamers et tout, je suis sûr ils vont foutre une espèce d'électropop Monster Cat tout chlassé du cul. Ce sera pas aussi classe que les deux premiers jeux, je pense. Boss youtubeur. Qui c'est qui a fait ça? À ton avis.
Ouais, ok. Mais si, non, laissez les deux boss principaux, bah les jumeaux ils sont streamers à moitié là. Ouais, c'est des célébrités. Wow. Ah, Emperor, c'est le nom du stand, d'accord, je croyais que tu parlais de. Non, mais comme j'ai vu ton message juste après ce qu'a dit Spider, je me suis dit, ok, c'est couillu du Emperor pour, pour Borderlands, mais pourquoi pas. Ce serait toujours mieux que. Franchement, je m'attends à de la merde donc. Eh, bah, quoi que non, sur les le 1 et le 2, c'était des bonnes musiques qu'il foutait. Sur le 1 et le 2, Bah, t'aimes pas. Si, si, j'aime bien sûr. Mais écoute, faut qu'ils me convainquent qu'ils ont pas perdu de leur superbe, c'est tout. On verra bien. Ils vont mettre du risoli. Du risotto. Tu veux écouter du risotto en train de cuire pendant une demi-heure? Franchement, ouais. Faudrait que Scad il se lance dans une chaîne de ASMR comme ça. Mais tu sais, il fait que du risotto par contre, avec des recettes différentes, mais de l'ASMR sur plein de risottos différents, tu vois. Avec et sans chorizo, avec et sans, tu vois. Et ah, elle se lève. Je pense que ça sert à rien de débuter, non? Ouais, élève-toi, ouais. Bah, surtout d'utiliser nos munitions pour ça, je sais pas si c'est très. Attends. C'est quoi qui gueule là? Une hive. C'est une hive. Attends, je vais lui foutre. Regarde. Ha, super gamer. Tac, ok, elle est morte. Merci qui? Derrière toi, Lucienne. Quoi? Oh putain! Réflexe! Oh la vache! Il s'est mangé la pute! Je me suis étonné tout seul, par contre j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas. Bon, mais... tirer comme ça, bon, ça va. Ça m'a fait peur en plus, putain! C'est au-dessus. J'ai piflé des ouf! C'est bon, j'ai. Combo Bell sur Borderlands 3! La légende raconte! Du coup, j'ai réussi à tuer un Immolator sans qu'il explose. Grâce avec à quoi? Ah, avec le marteau, d'accord. Grâce au pouvoir de l'amitié. Attends, on est où là? C'est des dégâts non perçants, comme nous avait dit Hunter. Faudrait qu'on aille à l'est, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, on y va. Tac, cadeau. Quelqu'un a tiré ouais, là ou c'est mon. Non, c'est bon. Je pense. Oula, t'as dit quoi? Je pense que c'est toi, j'ai dit. D'accord, ok. Je suis désolé, en fait, j'ai des gros coups de lag. Ça se voit en jeu, en fait, quand je lag. Je fais des petits blup. Enfin, peut-être que je règle le problème un jour. Ça, c'est à cause de... Tu sais pourquoi si on perd, c'est à cause de numéricable. Si jamais, oui, si jamais ouais, on perd cette partie, je les appelle et je dis qu'ils font non, chier de ouf. Franchement, t'appelles le dernier employé qui doit se cacher dans une cave, mais... Il doit être dans un bureau tout seul. Dans un immeuble désaffecté. Je m'appelle Jean-Christophe Numéricable. J'oublie que tous les employés avaient les noms de famille de la boîte, pourquoi ça bah, fait un éclair? Non, c'est parce que c'est lui qui a créé, mais oui, il y a eu un éclair bleu, c'est normal, on est d'accord. Enlève ta lampe. C'était pas moi. Dit, s'il te plaît. Ouais. Franchement, le manque de respect, je sais pas si j'accepte, Momo, t'es viré. Merde, déjà. Mais déjà, Tire. Mais non. Tire au nord. Connerie, au ça. Nord. Le nord. On a pris la clou? Ouais. On a pris la clou. La clou. Et du coup, on a la zone de l'araignée. Si j'ai vu, c'est la clou. Ok. Mais du coup, il y avait des mecs au nord. Mais non, c'est des conneries. On y va, on les rush et on verra ce que ça fait, Dak. Attends, moi j'ai ma longue vue. Ah, c'est derrière, ok. Que voient tes yeux d'elfe? Absolument que dalle. Oh là, ouais, non, les tirs ils sont pas loin. On entend les. Et c'était pas un chat. Je crois qu'il y a des ennemis à côté de vous, dit Shadow Army. Oh. Jure. Arrête. Et comment tu sais ça, Shadow Army? Tu sais ce qu'il manque? Des viseurs laser. Des artillery strike, moi j'aurais dit, mais... Parce qu'au pire, bon... À la place de déployer 3 hommes qui vont se faire chier pendant une demi-journée à se balader dans la Louisiane pour trouver un monstre. Tu fais péter un bunker booster sur l'église. Bon. Mais en fait, vous êtes où? Ah, mais vous êtes vraiment en train de vous latter, en fait. Non. Mais pourquoi vous venez pas? Oh. Mais pour aller où? Bah, là... Ah, moi j'attendais des mecs qui sortent de à l'abattoir, non? Ouais. Je sais pas. Ouais, bon bah écoute, on va essayer, hein. Bon bah ouais, non. Mais c'est quoi? C'est quoi? Mais on va à l'araignée, non? Ouais. Il y ouais, a du monde derrière. Ouais, on les emmerde. C'est quoi qui a. C'est pas ça, c'est pas nous ça. Y'a un truc qui a pété tout seul. Non, ça tire dessus. Ça tire. C'est derrière, ça vient derrière. Et j'ai vu une sangsue. Mais je comprends pas pourquoi y'a un immolateur qui a pété tout seul, du coup. Mais à mon avis, il a pas pété tout seul. Ouais, voilà. Non mais il était devant nous, alors comment ils ont pu tirer derrière de devant, si je vois ce que je veux dire?
Derrière de devant. La clou, elle a été prise, là. Ils, enfin, étaient, ils étaient derrière nous, et l'immulateur, il a pété devant. Ils sont là-bas, il y en a un qui est là-bas. Là-bas, là-bas. Ah. Ouais, il me tire dessus. Intéressante. Vas-y, je vais le choper par derrière, poteau. Il va rien voir venir. Il m'a tiré dessus, il m'a eu. Après, il est probablement pas seul, hein. Non. Je sais pas s'il m'a vu venir. Je lui ai tiré dessus, je l'ai tagué. Il s'est barré en tout cas parce que tout à l'heure il me tire à un moment et il est plus. Attends, il va être dans le coin là, il va être dans le coin, je le sens. Ah, ça sent le puceau. Ça sent. Aïe aïe. Ça sent la gamer girl. Il m'a bien mis. Tu sais où il est ou quoi? Même endroit. Même endroit que ouais, qui était à ping. Je le vois pas. Mais il s'est peut-être barré, hein. Il était en train de se barrer, il était en train de s'éloigner en tout cas. Il s'est éloigné par où? Là. Ah! Mais en fait, il y en a d'autres parce que il y a plein de coups de feu partout un, en fait. Ici là. Il est en train de se barrer, je crois. Ouh! Putain! Il m'a enculé! J'ai quand même l'impression qu'il te l'a mis. Oh la vache! Oh la cartouche! Oh mec! Ah, il est en train de me brûler. Je l'ai tag. Il est en train de me brûler. Il est en train de brûler notre copain. Je tag, il est là. C'est qui que je spec? Ah, c'est Momo. Oh le bâtard. Oui. Franchement, je suis impec là, mon gars. Thermostat 8. Il m'a buté. Ouais, son, mais son aussi, mais. Mais oui, mais il a des fusils aussi, alors bon. Voilà, si tout le monde a des fusils, c'est même plus la peine. Voilà. Je vois que dalle, mon gars. Putain, remontre, j'ai pas vu. Bah, t'inquiète, Choubi, je pense que dans quelques secondes. Ta gueule. Le Caldwell, ça calme. Apparemment, ouais. Accroupis-toi, moi. Il est là, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, mais c'est chaud, il a aussi une. Ah, ils sont deux, et l'autre, c'est l'autre qui est vénère. Voilà. Attends, je vais changer un truc là. Ouais, je pense que je vais changer moi de jeu. Je pense. Putain, je vois que les gants se font là. Ouais, on est en train de se faire enculer là, ouais. Mais là, regarde, on commence à tomber sur tous les mecs, ils sont balèzes, bravo. J'avais dit qu'il y avait des ennemis. Ça peut pas être de ma faute, je suis toujours à un niveau de merde. Non mais je sais ce qui va pas. Regarde, ce que je vais faire. Et ça c'est quelque chose qu'on est que deux dans le monde à savoir le faire. Je vais bien choisir mes armes. Je vais prendre en arme principale mon silencieux. Et en arme secondaire, je vais prendre le canoncier. Et ça, mon gars, je sais pas si je vais pouvoir, remarque. Ah si, normalement je peux. Non, je sais pas, on va voir. Tac, passé, on s'en fout, on a rien branlé. Tac, alors. Chasseur, heureusement que je peux pas crever. Le truc on avait vu avec Momo, la fois c'est justement en fait, c'est comme si t'avais 4 points à dépenser pour tes armes. Les grosses armes prennent 3 espaces et ton petit flingue en prend une. Ouais. D'accord. Super l'hostilité, je t'emmerde au pire. Et du coup, mon plan tombe à l'eau. Et c'est pas tout de suite le rapid fire. Ouais, ça c'est de ouf là, tout de suite. Le Caldwell Pax, est-ce que c'est bien le Caldwell Pax? C'est pour aller à la Paxiste. Tu sais quoi, je vais même pas te répondre. Vas-y, je vais prendre celui-là, là, le grand Romero à la con. J'aime bien les canons longs. Et voilà. Ça va être bien, t'inquiète. Non, j'étais en train de réfléchir intensément à mon loadout en fait. Le Romero, pourquoi tu cries, Chubby? En principal, tu prends une Winfield et en secondaire une machette. Et on est bon. Ah, excuse-moi, Alan Quatermain. Elle est bien la référence. Je t'ai invité, Momo, ou c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, je suis en. Le canoncier, c'est pas mieux. Bah, le truc, c'est que non, c'est pas mieux, vu que je peux le foutre uniquement en principal, parce que j'ai pas d'arme secondaire qui et a là, deux points. J'ai quand même un truc rigolo à dire, c'est que je suis passé niveau 11. Yes. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que tu en recrutes un nouveau dès maintenant? Je peux en recruter un nouveau dès maintenant? Ouais, ça change quoi, de toute façon, concrètement? Mais c'est histoire que personne se fasse chier au QG, quoi. Ah oui, d'accord. Hein. Je sais pas, tu. Écoute. Non, moi je suis niveau 10, je suis encore un petit peu de répit. Ouais, je vais prendre. Elle, elle est free, puis elle a une bonne tête de raciste. Une fois que Spider, parce que je pense que la game d'après il sera niveau 11, je pense que je vais foutre la merde pendant toute la game pour qu'on se fasse tous repérer et que les deux crèvent. The Invitation has failed. Ah. Oui, mais en fait, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est qu'en fait,
quand t'invites pour un premier joueur, tu sais, friend 1 là, gauche, faut forcément que t'ailles sur le truc à droite pour inviter un deuxième ami, sinon. Ah, tu peux pas inviter les deux d'un coup en fait? Non. Ah ouais, c'est... ah d'accord, c'est bidon en fait. Ouais, c'est bidon. Ouais, c'est con. Le canoncier, alors, c'est pas mieux vu que pour la longue distance t'as le pistolet, tu crois? Non mais. Non, je crois que t'as tort, Choubi. Et ouais, je vais te le montrer dans cette partie, vu qu'on va la gagner. Je pense que t'es un connard. Ouais. J'aurais pas été jusque là, mais pourquoi pas. Oh si, faut y aller. Hein. Il a pris une gonzesse en plus. Bah toi aussi. Ah. Non. Pourquoi par contre, on était prêts et puis on était pas... Bah là, je m'équipe du coup. Pourquoi je vous vois clignoter moi par contre, c'est quoi le... On clignote. Bah oui, sur le menu où je vous vois tous les deux, vous clignotez en fait. Bah vous clignotez tous les deux par moi. Parce que je suis meilleur. Non, c'est peut-être parce que Momo il est en train de changer ses équipements et du coup ça refresh tout le monde, ah, non? Peut-être. Super, Momo, bravo. Si tu meurs sans buter un mec, tu m'écouteras. Ok, Choubi, on fait comme ça, ok. Si je meurs dans cette partie sans buter un mec, je t'écoute sur les deux prochains... sur le prochain round, d'accord? Je ferai tout ce que tu me dis de faire au prochain round, d'accord, Choubi? Ça fait... Beckett qui dit, ça fait un couple et une esclave. J'irai pas jusqu'à là. Bon, elle a pas une tête d'esclave, le personnage de Momo, je comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, oui, peut-être. Un peu, toi. Toi, t'as une tête à t'appeler Jasper. Tu vois? Et... Jockey, c'est le Brésil pour vendre des Velux. Match trouvé, c'est Tipa. Allez, on la gagne. Eh. Des... Tonton Fogus. Tonton Fogus. Choubi, dès que je vais... Parce que je vais crever dans cette partie. Dès que je vais crever, Choubi va me dire, ok, prochain round, tu butes les deux. Je pense que ça va se transformer un peu en Battle Royale, en fait. Romero plus pistolet, c'est bien. Et j'ai hâte. C'est quoi? C'est au rang 14, je crois, qu'on débloque le fanning, le quickfire. J'ai pas regardé ça. Il me semble. Ah, d'où sont ma cri, hein, déjà. It's 8h du matin. It's energy. Hit music on me. J'oserais tellement pas, tu me connais trop pas, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Qui connaît rien, il rigole en plus. Ah, Oméga Lul. Pisolero. C'est comme ça que tu le dis, mais 44. Ah, genre, mais tiens, les gars, je reviens, je vais pisolérer. Ah, il fait jour. Allez, on va gagner là. Oui. Parce qu'on a des buffs en fait quand il fait jour. Et ouais, c'est pour ça. Il faut 7 points de compétence pour le pistolero, mais je crois que j'en ai 27 en rab ou 14 ou 20, je sais plus. Enfin, MDR, pourquoi on est pas des fermiers? Lol. Est-ce qu'on a des buffs? Lol. Attends, mon gars, la texture de ta chemisette, elle est absente. Mmh. C'est mon gars, c'est un genre de flat mesh. Joue à Garry's Mod. Il y a juste des chiens, ouais. Non, c'est pas un quadrillage rose et noir, mais il n'y a pas de texture, quoi. Toi, oui, Spider, mais elle, non, elle a pas le droit de texture, quoi. 75% du salaire et pas de texture, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Un problème, c'est que là, j'ai plus de silencieux, donc vous allez faire tout le boulot. Bah j'en ai plus non plus. Et bah Spider va faire tout le boulot, il en a jamais eu si. Ah si, sur son gun il en a, ok. T'es Skosten. Il a 75% de la texture. Ah, ça va être cool de traverser l'eau là. Vas-y Spider, fonce. Ouais non. Oh, putain, mec. Moyen. Mais c'est quoi? Il y a un truc qui flotte là-bas, j'ai... Oh. Ouais, alors ouais, attends, non, on va faire le tour, hein. Il y a les tontons fangueux. Il y a les tontons fangueux. Mais ça se dit fangeux en plus. Mais non. Mais si. Mais. Pour ça, dit. Shadow Army qui dit il y a des démons des eaux. Sois pas désolé, hein. Haha. Oh, on voit ce culotte. Eh hey, les gars, on va voir la culotte. Oh, elle a disparu. La culotte. On a vu la culotte. Attends, y'a pas au pire. C'est quoi, ça vous dit de changer de clou là, parce que... Non, celle-là elle est bien. Mais non. Ça va aller, t'inquiète. Ni problème. Y'a une hive là-bas à gauche. C'est rien, j'adore The Hives. Faut vraiment qu'ils ont pas balancé de nouvel album, mais je les aime bien. De toute façon, on va Je vais tirer dans la mâchoire. On va tout rusher. On va tout faire héros et on sera tranquille. Oh putain, y'en a un en bas, ici, en bas de l'échelle. Y'en a un autre qui est de l'autre côté là-bas. Ils sont partout. Je suis juste derrière toi, Rufian, donc. Aïe aïe. Je crois que je l'ai touché, mais je l'ai pas down, j'étais juste tag. Aïe aïe aïe. L'autre, il est au bout, nique ta mère. Y'en a mangé une aussi, j'en ai tag deux, je sais pas où est le troisième.
LOL, je joue au sol, JPP. Je joue au sol, JPP. Je veux pas mourir, je veux pas écouter de Choubi, ça putain de merde. Je l'ai touché. L'autre il est sur moi. Je crois que j'ai eu le mec qui était sur toi, mais par contre, l'autre il est sur moi. Il était sur moi. L'autre qui est sur moi en bas là, tu l'as eu? Je crois que j'ai eu, ouais, j'ai mis deux tags en tout cas. Ah ouais, connard, ah ouais, connard. Ah putain, y'en a un autre encore. Oh là 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 là. Tiens, tu les manges sans ta gueule. Le deuxième, j'aime pas là. Ah merde, j'ai mis trop tard. Ah, très mauvaise position. J'en ai eu un, Choubi, or ta gueule. C'est vrai. Quelque part, on a gagné. Quelque part, on est des gagnants, mais c'est des gagnants différents, c'est tout. Pourquoi eux, ils ont pas peur d'aller dans la flotte et moi, j'ai toute la flotte dans les chaussettes, ça fait flic-flac quand je marche, j'aime pas. Eux, ils sont fous, ils ont... Plus, après, t'as des trucs dans les pieds, là. T'as du fromage. Après, t'as toujours du camembert du pied. T'as toujours le smegma de pied. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est la mort au début de game, quoi. Oui, ça aurait été au début ou à la fin, je t'admets que bon. Oh là là là. Alors attends, on va changer les armes. Parce que je pense que j'ai une idée. Ah, du coup, c'est galerie, j'ai pas dit mon perso. ça va, c'était une merde. Oui, c'était une merde. Bon, ça va alors. Comment on fait pour acheter les trucs déjà? C'est ici, c'est dans ce menu là. Mais c'est quoi ça? Quoi, je peux pas acheter? Condition de déverrouillage, arbalète explosive. Ah, d'accord. Je suis niveau 11, c'est chaud. Non, je suis niveau 10. Je t'ai pas encore invité parce que du coup j'avais invité l'autre con avant. Non, mais tu sais quoi, Non, je pense que tu sais quoi, mon loadout il était bien, c'est juste que quelque part j'ai peur du candidaton quoi. Non, Choubi il a rien à proposer. On avait dit s'il tue quelqu'un, il peut s'il tue personne, il peut proposer. Ouais, lui il a compris, hein, c'est Shadow Army, il a pas compris, mais Choubi a compris, regarde, il s'est rétracté. Il a recaloté et puis hop, on attendra la suite. La calotte. La calotte de ses morts. C'est bon, il a pris d'abri caquette. Caquette d'Artman. On va y aller, c'est bon, tranquille. La caquette du cœur. Artman, c'est pas du coup un des personnages de Death Stranding? Si. Ah ouais. Qu'est-ce que... Donc tu es parti. Pourquoi je suis parti? On s'est fait niquer la gueule de son perso parce que c'est mort. Putain, puis on s'est fait niquer dans le menu quoi. On a déjà perdu alors qu'on est que dans le menu. Il était plus simple avant le jeu, je trouve. Non. C'est plus simple quand il n'y avait pas de gens. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Quand on apparaissait qu'il y avait personne sur la map, ça allait, tu vois. Mais là, j'avoue que. Quoi, ils se lattaient la gueule entre eux. Eh. Ça, c'était bien ça. Bien. Ça, c'était cool. Guérissez votre partenaire à l'aide d'une injection de vitalité. Qui a besoin de guérir? Ça, c'est ça qui me manque, c'est ce qu'on a dans le temps de chargement là, c'est un fusil à double canon juste à poser, ça mon gars. C'est niveau 18, je crois. 18! Eh, mais ça fait beaucoup de morts ça! Ça fait beaucoup de personnages disparus niveau 18, je trouve. Tu te rends compte que là, en fait, littéralement, on n'a pas vu de monstre pour l'instant. Ouais, on a vu un démon d'eau quand même. On a vu un tonton fangeux, c'est pas rien non plus quoi. Et ça se dit fangeux. Non, je dirais jamais ce mot là. Comme Amélie Mauret ce mot là. Pardon. Excuse-toi. Excuse-toi. Écoute, si tu veux, j'ai un petit numéro dans mes contacts qui s'appelle Arthur, il peut te proposer un truc. Ah, je veux passer aux enfants de la télé, mon gars. Tu pensais que t'étais dans le décor, le décor penché là. De quoi? Tu sais, c'était dans Vendredi que tout est permis, ils ont un décor, mais tu sais, qui est penché, ils allaient faire un sketch dessus, mais ils tombent, et du coup, c'est hilarant. Ah, putain, ça me dit quelque chose, Vendredi tout est permis. Oh merde. Oh le bal, oh la télé française. Florence Foresti, tu vas être à côté de Florence Foresti et Franck Dubosc. Florence Foresti, c'est marrant parce qu'elle m'a jamais fait rire. Ah bon. Et du coup, c'est pas très marrant. Du coup, elle a aucune qualité en fait. Donc elle est ni marrante ni bonne, du coup elle a rien, c'est ça? Ok, d'accord. Bon, ça va, si c'est les deux qualités d'une femme, alors ça va quoi. Comme Roumanoff. Non, Roumanoff c'est pire parce que tu vois encore, Foresti, elle me laisse de marbre. Mais Roumanoff, activement en fait, elle m'énerve. Elle me casse les couilles. Il y a quelque chose d'hostile chez la Roumanoff. C'est rien. Non, ça va pas du tout.
C'est qui ça? C'est bon, c'est pas un ennemi. Mec, c'est Polner, on gèle les gros lots. En vrai, il fait plus froid que dans ton frigo. Eh putain. Eh putain, c'est dommage que tu lui aies pas demandé de te buter parce que franchement, je l'aurais fait avec plaisir quoi. C'est méchant. Là, c'est vrai qu'un pied dehors. C'est la pharagite. J'ai jamais revenu le microbe qui s'agite. Alors écoute. Alors écoute, avant que tu seras trop tard. Avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. Surgelé français. Waouh, quel homme. Ok, allez, on se concentre, les gars, on se concentre. C'est là où on la gagne. Oui. 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 Ouais. Ok. Ouais. Et nasalement, elle est hostile aussi. Parce qu'elle a un gros pif. Oui, parce qu'il a pu. Ça, c'est ultra gratos, quoi. Elle est pas marrante, en plus, elle pue. En plus, c'est une connasse. Ok. Pourquoi on a... Eh, tu se connais bien. Putain. Eh, c'est bizarre et comme meurt. Bravo. C'est bien Spider. Continue. Allez, ta gueule. Oh, allez. Oh, oh, oh. Allez, ta gueule. Oh. T'es que good look, il dit ta gueule. Mute-le vite. Ah non, ça va, moi. Ah non, ça va pas. Ok, c'est bon. C'est pas le nord, on se les crelots. Putain. C'est l'humour français en général qui m'énerve. Du don. Un peu de respect quand même. C'est la pharagite. Comment tu parles de bigard, par contre, ta gueule quoi. Déjà. Putain, c'est déjà derrière nous les gars. Il est juste là en fait le butcher. Du coup ça va venir bah, ça va venir littéralement de partout les gars. J'ai foutu un piège à loup près de la clou. Si un mec qui approche pour juste checker, il se prend une balle. Enfin non, il se prend un piège à loup et après une balle. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Mais du coup, il est là-bas, là. Il est derrière nous, il est dans l'entrepôt, derrière nous. Le problème, c'est que du coup, ça va venir de partout. Il va falloir qu'on défende notre position, quelque part. Mais ça te dit pas, on attend. Et venez, on se cache. Mais sûr, il faudrait pas qu'on en profite d'être au début de partie, justement, pour l'éclater vite, non. Eh, tente de fermer ta gueule. Eh, venez, on se cache, et on attend qu'il le finisse, et nous, on bute après. Mais il y a des tirs qui viennent de sud-ouest. Eh, les mecs. Sud-sud-ouest. Eh, les mecs. Mais j'ai une idée. Les gars. Écoutez-moi. Eh les mecs. Eh franchement ça va être marrant. Attends. C'est qui là-bas? Ah c'est une lampe. C'est bon les gars, c'était juste une lampe. Ah ça va alors. J'ai pas trop compris le jeu, faut buter les monstres, mais buter les joueurs c'est facultatif. Bah tu vois que t'as compris le jeu finalement Chubby. Qu'est-ce que tu racontes? Sois pas aussi dur avec toi-même. Eh les mecs. Les gars. Je vois rien. Oh putain de rollback à la con. Je vois personne. Plus vous faites le boucher tôt, mieux c'est. Ça, c'est, ouais, c'est, ce que je c'est dis, pile ce que dirait quelqu'un qui a envie qu'on fail. Tu penses? Parce que si on commence à attaquer le boucher maintenant, on n'aura pas fini avant que tout le monde arrive. Et c'est cette petite tête là qui dépasse. Qui c'est? C'est toi là-bas. Et quand on aura fini de le buter, ils vont tous nous attendre en cercle. Et j'aime moyen l'idée. Non, tu penses pas? Je sais pas, si, j'y connais rien au jeu, donc... Moi je pars d'une tactique purement Mountain Bladeienne en fait. Moi c'est le seul élément de tactique que j'ai, c'est Mountain Blade et les Sims. Hein. Donc vous basez pas trop non plus. Dis-le avec encore plus dédain. De dédain s'il te plaît parce que c'était pas encore assez. Ton je vois là comme un gamin qui aurait montré un dessin à sa mère. Je vois. Ouais. Regarde maman, je nous ai dessiné, nous. Je vois. Bah ça mon fils. Qu'est-ce que tu veux une médaille, picon? Je vois rien pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde a la même idée. Mais les autres. Énorme pas dans la baraque. Tu crois que les autres ils savent pas qu'il est là? Bah si, parce que nous on sait qu'il est là, ça veut dire qu'on a eu toutes les clous. Bah oui, ouais, on a eu toutes les clous. Ils ont pas. Ouais. Bah on a pas eu toutes les clous, on a eu juste une. Mais peut-être. Oui, mais peut-être qu'on a, on sait qu'il est là parce qu'on a eu la clou juste à côté, non? Je vois. Je sais pas, mec. Hein. Je sais pas comment il marche le jeu. Hein. J'ai fait deux games. Hein. Donc, bah écoute. J'entends des bruits. Rigolo. Oh, oh. C'est pas nous, ça. C'était du côté du boss. Franck du boss. Mais quoi, bon. J'ai. Tu l'as quand même. Ok. Donc, c'est juré, ok. Bon, ça va alors. C'est juste par dédain que tu m'as pas répondu en fait. Ouais, exactement. Ça a l'air d'être un thème aujourd'hui, hein. Ouais, je suis très dédaigneux aujourd'hui. Dédaigneux ? T'as, Jeanne, t'as les bruits. C'est qui marche là ? Oui, mais c'est moi qui marche, hein. Je suis dans le.
Après, c'est peut-être autre chose que moi aussi, mais... Il y en a qui font du bruit dehors aussi, là. Qui passent avec des camions, ça m'énerve. Arrêtez d'avoir un travail satisfaisant, cassez-vous. Travail à 20h49. N'importe quoi. C'est Yadar, lol. J'entends des bruits dehors, non ? Je sais pas pourquoi je vous demande à vous, mais... Je vois des bruits dehors, d'ailleurs, par contre. C'est quoi la touche pour parler aux gens ? Par défaut ? Y a pas. Bah si, y a du VoIP. Non. Oui, si. Bah si. Ah ouais ? Bah bien sûr. Bah si. Mais... Bah bien sûr. Attends, chut. Attends, mais y a de la lumière en bas, là. Non, mais j'entendais pas, qu'ils sont pas à moi, et... Là, y a de la lumière qui se déplace. Elle se déplace plus, évidemment, mais... Si. Là, là. Est-ce que je suis sûr ? J'entendais pas qu'ils sont pas du tout à moi et je sais pas d'où ça vient. Mais est-ce que ce serait pas le boucher ? Oui, y'a le boucher qui est en train de marcher là-dedans. Marche moins fort, connard ! Attends, c'est haut ? Y'a rien qui s'active quand j'appuie sur haut, donc... C'est pas ultra lourd. Ouais, mais là, c'était pas des pas ultra lourds, c'était des pas genre... Poup poup, tu vois ? C'était pas des... C'était des poup poup, donc ça, du coup, je sais pas. Ça, par contre, tu vois, par exemple, c'est super marrant, tu vois. Si vous venez, vous pouvez venir maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. Hein. Comme ça, au moins, bah, on en discute et puis on voit ce qu'on fait. À l'étage. Quoi, à l'étage? Y a pas l'étage. C'est moi qui suis à l'étage. Il parle d'étage. Attends, y a moi aussi à l'étage, hein. Donc. J'ai voir un immolateur courir sa mère. Ah, et j'entends des cris. Ok, non, c'est l'immolateur. Il pète un câble comme la. J'ai entendu un coup de feu. J'ai entendu un coup. De feu. C'est marrant parce qu'on parle vraiment comme des gens qui ont aucun moyen de se défendre en fait. C'est comme si on était sur le point de se faire juste buter, qu'on avait aucun moyen de. C'est comme si on vivait aux États-Unis quoi. Vous êtes pas paranoïaque de ouf. J'ai entendu. Celui-là il était super proche par contre. Enfin, super proche. Si, on a entendu les mécanismes du coup de feu donc. Ah, si, il est proche. Il était plus proche de toi que de moi du coup. Forcément, y'a plus rien. À mon avis, on est dans une game tout seul. Mec, si c'est ça, c'est flippant de ouf. Jean-Michel Thuyot, il a tout compris au jeu et pas toi. Tire sud-ouest, sud-sud. Sud-sud ? Ouais. Je sais pas si j'ai envie de te croire. Ouais, bon plus. On a une heure, hein. C'est ça, on parle là-dessus quand même. Ouais. Ouais, non, sud-ouest, ouais. Ouais, sud-sud-ouest, ouest, ok, d'accord, c'est à peu près la moitié du monde. Sud-ouest. ils peuvent probablement pas venir du nord. Comme dernière terrain vague. J'aime bien quand tu dis probablement, par exemple. Ouais, je crois que c'est sud-ouest, t'as raison. Bah tiens, forcément, maintenant ça commence à se lâcher. Ta gueule. Ta gueule, je te déteste. Ah, ça se rapproche. Ils sont en train de tirer sur quoi, là? Mais je pense qu'ils sont en train de se latter juste contre une autre équipe, en fait. À moins qu'ils tirent beaucoup, comme juste pour faire genre. Le génie, gars. On va leur faire croire qu'on a plein d'armes. C'est comme les gars qui avaient décidé de cramer tous leurs vivres pour faire croire qu'ils en avaient encore plein et que du coup les mecs ils se sont barrés du siège. C'est pareil. Mec, ça se rapproche. Mais ouais, là c'est ou alors c'est un genre de tornade avec des balles dedans. Putain, mais il y en a un, il est vénère en face là! Il est des fourrailles, mon gars! Il y en a un qui aime pas du tout la nature en tout cas! Hein. Il lance des cailloux de l'autre côté pour brouiller! Oh putain, en plus c'est un haut niveau parce que j'ai l'impression que c'était. Il a tiré avec un revolver normal et il a tiré super vite donc je pense qu'il a le quick fire! Ouais. J'ai l'impression aussi. Hein. Je suis pas un professionnel ni un détective. Bah j'ai pas entendu. Donc tu me fais juste stresser en fait. C'est-à-dire que les silencieux sont silencieux. Hans qui dit West. Parce que oui, je vous rappelle que je joue avec un seul écouteur pour éviter de hurler chez moi, pour me rendre compte d'à quel point je hurle. Et du coup, j'ai pas trop de sens. Mais c'est marrant quand tu hurles. Ouais, mais mes voisins ils sont pas forcément d'accord. On les emmerde. Après, s'ils venaient sur le stream, je dis pas, mais. Par contre, les tirs. Bon, je pense qu'il y a une équipe qui a gagné. Il m'a fait peur, l'immolator, putain! Il court tout seul comme un gros geg là! Qu'est-ce qu'il fait? Là-bas là! Brutille!
c'était avec toi la partie qu'on a fait là, dans le ranch où il était en train de faire des allers-retours pendant 30 minutes. Non mais oui, en fait c'est un peu son délire, il fait des tours tout seul. Mais c'est qu'en fait non, je pense qu'il m'a vu, il essaie de me choper, mais c'est con. Parce que je suis en hauteur. Mais qu'est-ce qu'ils... Ils sont morts de faim? Peut-être qu'ils sont morts de vieillesse. Peut-être qu'ils étaient tous... ils ont tous de l'arthrite. Du coup, ils marchent super pas vite. Ouais. Et ils font pas exprès de tirer parce que leur doigt se raidit sur la détente. Je vais aller voir Momo parce que j'ai pas confiance. J'ai envie de faire le con et tirer une balle en l'air pour savoir s'il y a des réponses. Mais... Maman. Le Texan, quoi. Bonjour. Maman. Ok. Il y a un zombie. Ah. Il y a un autre qui Mec, après autant de patience, et si on crève dans cette partie, vraiment, vraiment, je serais tellement dégoûté, quoi. Ah. Je me sens... J'entends des hurlements. Je me sens comme une bande battrice là, mais... I have no mouth and I must faire chier là, parce que... C'est le concept... du jeu. C'est le concept du jeu, ouais. Je sais pas, tu nous demandes... Qu'est-ce que tu nous demandes, The Mouette? Je comprends pas là. Qu'est-ce que tu nous demandes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu la racontes pas. T'es tombé au milieu de la body familia. Il y a Adeline qui dit des bêtises sur le chat et j'aime pas. Il y avait un truc en bas à droite dehors. ça tu parles là, lui et les autres trucs. J'ai l'impression de revivre Assaut sur le Central 13 en fait, avec Ethan Hawke. Putain qu'ils sont suscités. Je pense que ça c'est les coups de feu de eux qui se suicident en fait. C'est juste qu'ils ont plein de balles. Ils ratent bien leur coup les cons. Peut-être qu'il tire très mal. Ça, ce serait bon ça pour nous. Et en fait, on a toujours pas vu où est vraiment le butcher en fait, parce qu'on depuis tout à l'heure on est chez lui. Il est sous Spider, je crois, non? Ouais. Ah, provoque-le pour déconner. Pour déconner. je veux pas aller carrément sur le toit ici ou un truc qui me mettrait bien en évidence que je meurs vite. J'ai envie de tirer sur un corbeau. Ça, c'est une super idée. Ça, tu vois, t'en as eu beaucoup les idées Spider, mais celle-là, elle est géniale, quoi. Tu devrais faire ça et après, tu devrais montrer ton inventaire avec Alt+F4. Ctrl W pour montrer ton inventaire. Oh là. Ça tire de pas loin et ça tire vite. Plus du sud. Je viens du sud et partout le chemin, j'ai raison. D'accord, j'arrête, écoute, partons. Ah, c'est quoi le concept du jeu? Le concept du jeu, c'est que on est. Ouh! Le concept du jeu, c'est qu'il y a plein de gens sur une map et on doit tous buter les monstres et on doit buter les gens aussi. Alors, faut savoir un truc, c'est que je pensais que j'étais encore en mêlée et que je me foutrais un coup comme ça. C'est toi qui a... Non mais ça va, il est loin de nous, s'il meurt, on s'en fout. Ah, j'aime bien le mode Gunslinger, on tire au plus vite. Putain... C'est bon. Eh hey, oh, pas stressé quand même, c'est qu'un jeu. Arrête. Ils viennent pas, les mecs, je crois. Mais ils sont pas loin pourtant, j'ai l'impression qu'ils restent à peu près à la même distance, mais... Pourquoi vous venez pas? Essaye de trouver des pièges et ours à placer dans la zone, ça fait saigner, ça fait du bruit d'enfer pour t'alerter. C'est quoi, je vais faire ça. Mais moi j'en ai foutu un au niveau de la clou qu'il y avait... Ouais, mais le tien c'est pas le mien. Je vais prendre celui-là. Tu vas voir que je vais me faire claquer pendant que je suis en train de le poser. Si ça se passe, Shadow Army, je te banne. Personnellement, hein, je te banne. Moi, ce que je vais voir surtout, c'est que tu vas prendre ton propre piège. ça m'étonnerait. ce serait ballot. Ils le verront jamais. Vous m'attraperez jamais. Est-ce que ça fait du bruit quand il est désamorcé aussi? C'est-à-dire? Le piège, est-ce qu'il fait du bruit aussi quand il est désamorcé? Ah, tu veux dire quand le mec se fait choper? Ça fait un gros claque? Non, quand il se fait désamorcer. Ça fait un gros claque. Ok. Top. Oh putain, au bout. Putain, la vache, il m'a vu de loin. Enfin non, j'étais en pleine... là où j'ai pointé, en fait. Il était sur la petite île. Il y a un petit îlot au bout du pont, là où j'ai pointé, et il est dessus. Il m'a foutu une balle dans l'épaule, je crois. J'ai pas eu très très mal. Ah, tu pointes. Ça, c'est super marrant, ça. Il est encore là? Juste un bout de l'îlot en vue, mais... Moi aussi, il n'y a pas que dalle. Mais il est seul tout, en plus. Bah après, vu la baston qu'il y a eu... Oh, il y en a un qui est là.
c'est où là? Ouais, il monte. Ouh, putain, coup de sniper, poteau. Il m'a buté, il s'appelle Fastofi. Ah, yes. Il se barre. Ouais, parce que je lui ai bien fait peur. Ouais, c'est bon, dessus, là-bas. Je l'ai impressionné de ouf là, mon gars. Là, il m'a tiré dessus par contre. Hein. Il a touché. Alors, du coup, moi je me barre parce qu'il sait que je suis là et Ok. C'est toi qui as tiré là, hein. J'en ai vu un là. Oui, non, mais c'est lui qui. C'est lui. Il y en a un autre. Ils sont là, ils se rapprochent. Et il y a l'autre qui est là, qui est toujours là. Okay. Touché. Tag. Aïe, aïe. Ils sont sur moi. Ils sont sur moi. Ils se concentrent pas sur vous, franchement, prenez-le. Je suis mort, bah ouais. Oh, oh putain, il est de l'autre côté, il est passé de l'autre côté en fait. Ouais. Je recharge. Ça prend un quart d'heure. Oh Marie. Ouais, votre corps brûle, bah oui, c'est bien ça. Voilà. Comment ils t'ont brûlé de là, les connards? Bah ils ont lancé une molotov, ils ont fait un lob. Ah ils tirent dessus, putain ils ont fait un Sébastien, mais comment on va faire? Ta gueule, concentre-toi et bute-les. Des gars aussi talentueux. Là. Aïe aïe. Il y en a deux. Oh putain. Oh la vache. Oh il m'a claqué un headshot comme ça à la pauvre Winfield, il est niveau 1. Il m'a enculé, poteau. C'était une idée de merde de venir ici, non? Oh, oh la vache. Moi je l'ai loupé, j'avais tout mon temps, j'ai fait. Non, il est au bout en fait, il est à gauche, il est beaucoup plus à gauche, je crois. Oh putain, tu vas te faire éclater. Le petit, oh putain, il va te faire éclater. Oh, il t'a foutu un headshot aussi là? Non, même pas. Mais même pas. Il m'avait fait éclater avant. Putain, la vache! On s'est fait enculer, c'était ouf. Hein. C'était. Waouh, ouais. Je me suis fait. D'ailleurs, sur Casu, il y a un replay de la mort comme sur les Call of. Je me suis fait enculer comme ma première communion, quoi. Tu te fais éclater, tu dois apprendre de l'éclatade. Tu ne dois pas regarder. Apprendre de l'éclatade. C'est ça qui est important. Par exemple, là, c'était quoi notre erreur? À part vrai, tirer vrai, super mal. Fils de pute pendant 3 ans pour rien. Et c'est aussi parce qu'on s'est dit, hey, les gars, viens, on va prendre de la hauteur et on va rester tous au même endroit. On était pas au même endroit. On a essayé de les contourner et tout, mais j'y peux rien s'il m'a claqué un headshot sans même que je puisse faire quoi que ce soit. Quelque part, c'est pas ma faute. Ma faute. Quelque part, c'est pas mon foutre. Donc bon, tu peux montrer le fusil à lunettes. Je crois que j'en ai un, ouais. Et puis c'est le moment de le montrer parce que je peux pas le perdre. Parce que dans quelques niveaux, ça va pas être la même, hein, ça je te dis tout de suite. J'avoue. Je finis ma partie là et c'est mort. Vous êtes tous les deux. Ouais, vous êtes tous les deux niveau 11 là. Non, je suis encore niveau 10, mais. Non, je suis niveau 12. Tu te fais ratonner, tu apprends de ta ratonnade. Ah, tu peux pas le jouer encore. Merde. Qui? Quête. Super, merde, j'ai invité la mauvaise personne, j'ai invité Momo encore. Momo, viens qu'à jouer deux Momo, fois. Pourquoi t'es à moi? Ah! Ou alors c'est. Non, c'est moi qui suis raciste! Je sais pas, je me rends pas compte! Non, ils ont le même pull! Il se passe quoi au niveau 11? Au niveau 11, tu perds ton personnage et ce qu'il avait sur lui, Mirage. Si tu meurs. Oui, c'est bah, je pense c'est qu'il avait compris. Je pense que. Eh, hey, niveau 11, allez, casse-toi! T'as assez joué comme ça, allez hop! Va sur WoW, il y a WoW classique là. Du coup, j'ai débloqué la machette. Ah tiens. Ah, parce que déjà à moyenne distance je l'ai touché, alors encore un corps P4. C'est pas le fusil à lunettes? Comment ça c'est pas le fusil à lunettes? S'il y a pas de lunettes, tu te cliques du monde. C'est pas une lunette dessus? Ah non, c'est la culasse. Oh. Alors oui, mais oui. Alors oui, bon c'est un peu facile. Putain, heureusement que t'es là, mais 44 parce que... Tu les veux nos gènes de culasse? T'as ton cul. Pourquoi ça a fait ça? Pourquoi ça a loqué? Pourquoi ça a loqué? Ah non, c'est parce qu'on est... C'est parce que ça lance une partie? Ouais, j'espère. Oui. Ok. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça lance une partie, je vais commencer juste avec mon pistolet et mon zizi. Comment je veux faire? Re, Arterus. Tu arrives au moment où bah, ça fait la troisième partie qu'on gagne, Arterus, donc... Franchement, là, on s'en sort bien. En espérant que ça continue, tu vois. Comment il panique? C'est facile, Chewie. Tu veux que je t'explique? il suffit d'avoir une nature plutôt anxieuse. Et c'est à peu près tout. Là c'est le grand chelem. Là c'est le grand chelem.
Oui, il y avait une grand-mère qui traversait sur le passage piéton et une voiture arrivait à 90 km à l'heure, elle s'est fait chelem de ouf. Oh putain. Le setup était bien trop long. Oh là 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 là. Beaucoup, beaucoup trop long. C'est trop long. Et je crois qu'en fait, le ratio attente chute, il est déséquilibré en fait. Je suis dans ma tête, en fait, c'est genre, j'étais en train de structurer la blague en même temps que je la disais. Il était dans son mind palace comme dans Sherlock, poteau, tu sais, il était dans sa pièce, tu vois, t'as les trucs qui sont... Il y a les lettres, comment dire, les lettres qui commencent à se sembler. Cendrier. Je peux pas montrer la lunette maintenant. Et je pense que ça va être mieux avec la lunette, vous avez raison, je vais tirer au sniper. En plus, toi, les armes précises, c'est ton rien. Moi, c'est mon truc. Moi, dès qu'il n'y a pas beaucoup de balles, et en plus qu'il faut être précis, j'adore. Je suis fan. On a vu ça sur le premier duel, hein, je pense. Non, parce que tu vois, le problème, il serait réglé facilement si on avait un AC-130. On est en 1700, je sais pas quoi, là. Ça va, les frères Wright, ils ont déjà fait une petite maquette qui vole, on peut quand même prendre un truc... On est en 1900, poteau. Oui, on est au début de 1900. Si, on est en début 1900, là. Je suis sûr qu'il y a des bagnoles, quelque part. Oh, il y a des Hellhounds. Des Hamam. 1873. C'est pas possible. Merde, pourquoi? Parce que le Mosin, il a pas été inventé en 1873, il a été inventé en 1895 et quelques, donc... Actuellement. Actually. Il remet ses petites lunettes rondes. Ouais, voilà. Ma chemise à carreaux. Comment tu la tôles avec tes petits bics dans la poche avant? Ma petite bique, j'aime les putes et les bimbos. Hâte de marcher. Toi. La cochonne veut sa cartouche, m'engrainer dans une partouze. Il est où l'indice? Là-bas. Tu es bouché? Pas trouvé. J'ouvre une porte, tu es le boucher. C'est marrant, ça me rappelle un truc. Ça m'a donné un succès, tiens. Ah, ça c'est cool, Momo. C'est génial, Momo. Ouais, ouais, t'as vu? Bah, au moins, je me sens gamer. Hein. Je suis fier de toi, Momo. Bon bah on l'éclate. J'ai touché, bonne chance. Touché là, chata. Vous savez quoi? Vous allez l'éclater et moi je vais faire le guet dehors, d'accord? Vas-y, mon ouais, vas-y. Sors. Attends, mais je vais t'aider quand même au cas où. Ah, comment j'adore les polos roses. Ok. Tu lui as envoyé un... Ouais, mais il prend des dégâts en fait. Bah on tire dessus. Il sort pas en fait. Ah, ça me ferait... J'ai pas l'impression qu'il sorte, non? Il a pas la capacité de sortir en fait. Ouais. Un petit peu comme 10 Cloverfield Lane. Attends, j'écrase ma clope pour être plus précis. Oh, casse-toi. Ouais, mais y'a une machine à... Mec, vous voir sortir d'un truc, ça fait vraiment Scooby-Doo, ça m'éclate. Il a fait du feu. Il y avait une caisse enregistreuse, du coup j'en ai profité pour... J'ai pas entendu un tir. Il pense des flammes. Bah si, depuis tout à l'heure on tire avec Spider, c'était ça. Non, mais un plus loin en fait. Oh, mais je me suis ramassé la caisse enregistreuse au moteur, ils ont des retours. Ah, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on est où là? Ah ouais. On est à la moitié de franchement, celui. Si on peut le buter, prendre le bounty et se barrer et gagner... Qu'est-ce que c'est bon le bounty, poteau. Et cette fois-ci, je vous encule, moi je prends un bounty. Hein. Moi aussi j'en ai besoin. Au final on l'a quand même. Ah tout bon le monde l'a en fait. Ouais. Ah ouais. Après peut-être pour les défis, ouais, t'as vraiment besoin de le prendre. Il est à l'étage. Ah, ça c'est bien, ça veut dire qu'il va falloir rentrer. Que dalle, je reste dehors. Oh putain, y'a des zombies dehors. Attends, j'ai pris un marteau, je vais lui éclater le... Bon bah oui, mais non, mais s'il rajoute des zombies en plus, est-ce que c'est vraiment la peine, quoi? Il est où? J'aime pas, l'étage. J'ai l'impression que dehors, ça va venir, là. Ouais, non, mais pareil, j'aime pas. Il est où? En bas, il est à la sortie encore, comme tout à l'heure. Ça fait beaucoup de dégâts ou pas? J'ai pas su, j'ai pas regardé. Ouais, il est mort, là. Il est mort, là? Bah je crois, non, il a plus de vie. Ouais, bah ça se trouve, ouais. On va vas-y commencer la séance d'anéantissement. Ouais, il est pas mort. Oh, c'est le bon. Coup de marteau, magnifique. Vas-y, on commence le chlassage. Le bannissement. Vas-y, expulse-le. Vas-y, développe couche dans ton panier. Allez, cette fois-ci, on va pas se faire niquer. On a niqué la cible. On a une place très avantageuse. Je pense que celle-là, il n'y a aucun moyen qu'on la perde. Non. Fermez toutes les portes, au cas où. Vas-y, ouvrez-les, ouais. Mais qui? Oh, Lucien, alors, il raconte des bêtises, hein.
C'est quoi par là-bas? Putain, on peut rentrer par là-bas aussi, mais chier. C'est-à-dire qu'en plus, s'ils veulent rentrer, c'est plus par là-bas qu'ils vont rentrer, les connards. C'est une échelle? Non, putain, c'est un escalier. C'est Michel. C'est Michel. C'était marrant, ça. Qui c'est qui a tiré? Ah, c'est toi. C'est moi. Okay. Ça, c'était un arbre. Mais tu veux pas le laisser en vie, justement, pour qu'il nous alerte si jamais il y a quelqu'un qui arrive? Oui. Je suis pas tacticien, mais toi, t'as l'air un peu con, donc... Ça va, c'est les éclairs, c'est normal. Ouais, oui. J'ai envie de poser un piège dehors. Quelque chose, j'avoue, c'est une tactique qui est assez peu répandue. Il est super loin, le... Ouais, faudrait limite faire tout par la gauche, en fait, là. Ah ouais, c'est super loin, ouais. Ah, tiens. C'est super marrant. Oh. Ah, ça, c'est une nouvelle des plus positives. Une grosse fourmi. Faut que quelqu'un reste en main, en fait, pour regarder s'il y a du monde qui arrive. Ouais. Trop tard, je suis en... lunettes. First... Non, quoi? Au moment où tu descends, t'as pas de lunettes. Non, je m'en bats les couilles, il se barre. Dans le fond du bus, ouais. Y'a quelqu'un là-bas, y'a quelqu'un là-bas, tu fermes ta gueule. Oh. Ah, j'ai une lunette. Attends, pousse-toi, moi, j'ai une lunette. Vas-y. Il était caché derrière ces genres de trucs tubulaires. Exactement. Il y en a un autre, tu le vois? J'ai loupé. C'était super. Nice. J'avais mon réticule bien dessus, poteau, et je l'ai complètement loupé. Ils vont arriver derrière, hein. Ils vont arriver par là où tu regardais Spider. Genre par là, là. On peut monter encore plus haut. Un truc comme ça. Alors, on n'a pas tout à fait fini, en plus. Il est encore là. Ah, putain. C'est quoi le principe du game? Il y a plein de joueurs sur une carte, Slay, faut éclater des monstres et se barrer avec des bounties qu'on a en éclatant les monstres. Il y a du bullet drop ou pas? Je me souviens plus. Je sais pas. Un petit peu. Pas énormément, mais... Il me tire dessus, le bâtard. Mais attends, oh! Bon, je les tag. You? Il est derrière les caisses, là. J'en ai tag une, mais c'est tout. Je sais pas s'il fait pas... Touché. S'il attire pas notre attention pour son pote qui vient de m'éclater par la fenêtre. Par la fenêtre? Ouais. À travers le mur, headshot, dis donc. Oh. Ah oui? Ouais. Il avait qu'un fusil à pompe, il est juste derrière la fenêtre. Ah non, c'était pas un fusil à pompe, moi. C'était un fusil à lunettes. Est-il là? Il est là. Je sais pas si... Je crois que tu l'as éclaté. Je l'ai éclaté. Par contre, le rituel est bientôt fini. Tu l'as éclaté. Je l'ai éclaté. Fais gaffe. Ouais. Si. Ça craint, tu peux... Ouais, ça tire là. Je suis tranquille. Ça tire. Tranquille. 99%, 100%. Sors ça. Là, c'est chaud. On chope la bounty ensemble. J'adore les bounty. Faut qu'on l'ait. Attends. Vas-y, prenez la. Faut que je me soigne. Attends, ça sert à rien, je crois. Non, si, c'est bon. Vas-y. Comme ça, tu pourras regarder à travers les murs. Rissian, tu fais pareil? Ouais, attends, regarde. Aouh! J'ai pris des dégâts, je crois que c'était en train de rentrer dans le truc. Venez, on se casse. Ouais. Attends, ils sont où ces connards? Ils sont dehors. Oh, mec, y'en a partout. Ouais. Y'en a partout, poteau. Maman. Y'en a vraiment partout. Y'en a vraiment partout, mec. C'est donc ça, Black Hawk Down. Carrément, oh, mec. C'est chaud, j'ai même pas pris de fusil de chasse parce que... Oui, tu prends des fusils, des snipers, c'est mieux. J'ai entendu des conneries dans ma vie, mais alors celle-ci, poteau. Oh, y'en a partout, mais y'a combien de mecs? Y'en a un qui est ici. Il m'a tag bien violemment. Y'en a un qui est mort. Juste ici. Là. Tu l'as eu, Russian? Non. Moi j'ai eu personne, je joue pacifiste, hein, donc. Y'en a un dans cette maison là. Ils sont 4. Ils ont fait un squad de 4. Quelqu'un s'est pris une balle? Mais évidemment, ils sont 4 mecs, alors évidemment qu'ils sont en train de se latter en même temps. Mais je suis en train de latter aussi, moi. Ok, y'en a un qui est là. Donc vous m'écoutez pas depuis tout à l'heure. Ils sont derrière la baraque. Aïe. Il m'en a mis une, hein. Comme dirait l'autre, oh putain. Putain. Oh putain, dit. Il s'approche, il va en dessous. Il a... Il est dans la maison verte qui est juste devant la grange. Moi, dans la maison grise, dans la chambre grise. J'aime pas trop en fait ce jeu, je viens de me remarquer.
C'était qui a eu l'idée d'y jouer? Je crois que c'est Spider. Parce que moi j'ai dit tiens je vais faire du Fallout 4. Il a fait ok on se fait un peu de hunt avant. J'ai fait non je suis pas sûr. J'aime pas cette porte. Le truc c'est qu'en fait ils vont nous attendre donc Oh il y en a, j'en ai vu un passer par là. Il est passé par ici, on passera par là le lunaire si il comme dire. Mec ça si c'est un Omega Lul ou j'en connais pas quoi. Il a réanimé son pote, son ouais, pote j'ai redingue. Tu l'as défoncé. Ouais y'en a un il a mangé cher pour tout le monde. Il s'est relevé, il a mangé sa mort. Y'en a un autre au même endroit, Ouais. Il m'a touché, il m'attaque. Faut que je me soigne sinon je vais crever. Je l'ai touché. Je l'ai tag aussi. Il a rien touché. Touché la chatte à la voisine, il peut te toucher la chatte. Est-ce que je peux. Attends, non. Ça. La chatte à la voisine, elle a pris. Je crois que je peux faire genre ça. Il doit être en train de se soigner là, qui est espèce de lâche. Je sais pas si c'est assez bon ou pas. C'est pas bon ça. Il essaie de nous cramer nos races ou il non, a c'est, il moi, c'est moi qui lançais hein. Il arrive avec son pop. J'ai vite fait quoi. Ta mère la pute. Non mais t'es c'est une blague. J'arrive vous sauver les copains. Bah je les tag mais Haha. C'est pas grave quoi. Tremblez. Car il est arrivé celui qui va vous pouiller vos mères. Attends je te réanime, je suis sûr qu'il y a plus personne. Tu réanimes qui? Spider je crois. Ouais c'est bon. C'est marrant, j'ai plus de vie. Parce qu'en fait, j'ai entendu hurler, alors ça se trouve, tu l'as niqué avec les saignements, Momo. Ah bon? Bah, en tout cas, j'ai croisé personne, alors T'as besoin de soin ou pas, Momo? Vite fait. Attends, je peux. Je crois qu'il est mort en tombant. Oh putain, ça serait génial. Tu peux me soigner? Ça me soigne pas. Ah si, merci beaucoup. Oh putain, ouais, ça fait du bien. Mais je lui ai mis une coup. Ou quoi? Cartouche de fusil à pompe à bout portant, donc si je l'ai pas vu, ça me ferait chier quoi. Ils sont où Kiki et Coucou là qui étaient là? Bah, je sais pas, y'en a un qui était revive. Oh, il est là. Oh, il m'a remis un headshot ce fils de pute. Où ça? Y'en a un qui a un sniper. Et au même endroit. Mais en dessous, tu sais. En dessous, l'espèce de truc sous pilori. Là. Headshot, j'en ai mis une poteau. Bravo. Je suis tombé. j'ai pas eu trop mal, mais je suis tombé un peu comme une merde. Fais gaffe, Momo, parce que la prochaine, c'est la mort. Hein. C'est quoi? Fuyez bordel. T'as pas de soin? Je peux pas me soigner, j'ai pas de. Si, j'ai un soin. Vas-y. Oui, mais bon, mais fuyez bordel, mais. C'en est un là, non? Je crois qu'il y a quelqu'un en train de se faire éclater par des insectes là. Allez, ah, tu mets tout le dedans. Voilà, parfait. Là-bas, y'en a encore un là-bas, Y'en a encore un là-bas. Il y en a un morflé là. Y'en a un qui est mort, y'en a un autre qui est mort, à cause des abeilles, je crois. Quel bon de bees. Est-ce qu'on aurait pas éclaté tout le monde? Non. Non, 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 ici. Non, non, non. Sous l'arbre. Ah putain, quel enculé de sa race. Touché. Ouais, tu t'es bien fait toucher aussi. Et je les tag. J'ai essayé de te revive. Si, tu fais du bruit avec les chaînes. Mort, ah, mais t'es mort. Je crois, ouais. Ouais, t'es mort. Fais gaffe, Lucien, fais gaffe. C'était pas lui, hein. Ouais, j'imagine, vu qu'il était mort. Le truc qui fait flipper, c'est qu'il y a encore des tirs sur le côté, quoi. Non mais ouais, c'est la merde. À la limite, faudrait qu'on se barre, hein. Ouais. Ou barrez-vous, franchement. Parce que je suis Je vais claquer mon dernier truc. Vas-y. Mon dernier soin, ouais. Ouais, j'ai vu personne. Non, je crois qu'il paraît son dernier truc, Divination. Mais, encore là où j'ai mis, hein. Il est toujours là, hein. Ouais. Un Renoir. Je l'ai éclaté, j'ai niqué la pute, là. Okay. Vous pouvez la looter, hein, au cas où, je sais pas ce qu'elle aura sur elle, mais peut-être de la thune. Je vais looter les deux, parce que quitte à être là et à crever dans pas longtemps. Ouais, non, mais mieux pareil, vaut, tu vas profiter des derniers instants, en fait, même si elle est encore un petit peu chaude. Bon, t'y glisses une quenelle. Il avait quoi comme arme? Ils sont où leurs armes, là? Ce chasseur a déjà été pillé, bah oui, je comprends. Dégage. Un sniper. Vas-y, file-moi le tireur expert, là, je sais pas ce que ça veut dire, tireur expert, mais je suis sûr je vais être meilleur avec. Je suis sûr que c'est un fusil qui tire bien. Momo, est-ce que tu veux venir vers moi, Momo, et on se casse? Ouais. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux pas que je vienne vers toi? Non, si, il vaut mieux que je vienne vers toi, Momo. Pour qu'on se casse de l'autre côté, on va se casser par l'ouest, et on va redescendre jusqu'au point de sortie, en fait. Viens, okay. Momo, vas-y, on se casse. On se casse, allez. Et tant pis si on crève, au moins on aura fait un... Mec, c'était stressant, mais en vrai, on a bien joué. Hein. On aura fait un run, on n'a pas joué particulièrement bien, on a eu beaucoup de chance, mec. Oui, mais on s'est bien démerdé, c'est bon. Oui, on s'est bien démerdé parce qu'on n'est pas mort, mais on aurait pu faire mieux.
Je suis sûr qu'il fait. Je suis sûr qu'on on va se faire juger par Docteur Disrespect, poteau là. Je l'emmerde. Arrête, t'es ouf. Il est street cred de ouf, il a niqué des meufs mineurs. Il trompe sa femme, il fait des lives dans ses chiottes, s'il te plaît. C'est pas dans ses chiottes, c'est les chiottes de l'E3, c'est encore mieux, c'est street cred, mec, tu connais rien. Les tireurs experts, c'est lunettes longues, sachant qu'il y a aussi lunettes courtes et extra longues. Ah oui, comme dans Pirates des Caraïbes, quand avec leur longue vue, là. Et t'as vu, du coup, personne s'est occupé de l'assassin. Ouais, non, tout le monde s'en bat les couilles. Hey, Momo. Viens, on s'occupe de l'assassin, pour déconner. Non. Non. Ce serait... Non. Mais on va où, là? Bah, on fait tout le tour pour descendre jusque là-bas. Jusqu'en vraiment tout le tour, ouais. Bah, écoute... Non, je pensais que tu voulais passer par la droite, en fait, mais non. Non, on est entre... Ah non, on passe par la gauche. Bah non, si, gauche, oui. Ouais, on passe par la gauche, ouais. J'ai plus mon couteau. Bah si, c'est bon, j'ai mon couteau. Plus safe. Ouais, ça va être safe. Mais de toute façon, je pense plus qu'il y ait vraiment grand monde, hein, mais bon. Ça se trouve, en fait, les deux autres tirs qu'on va entendre, c'est des mecs qui s'occupaient de l'assassin. Bah, je sais pas, il est encore là, l'assassin, et... Bah, non ouais. Je sais pas. Il a fini par le buter, non? Ou alors, il se fait buter par l'assassin? À savoir que maintenant, les joueurs ne voient pas. Non, les gens ne voient pas. Ouais, le Discord est en train de péter un plomb aussi chez moi, donc... Ouais, bon, bah, c'était Discord, du coup. Non, les joueurs ne vous voient pas, c'est ce que je disais, c'est que maintenant, par contre, vous pouvez les voir en restant appuyé sur E. Ah ouais. Bah non, pourquoi on a plus de charge. Enfin, moi j'ai plus de charge. Ouais, on pue. Oh là là, mec, ça lag de ouf. Et moi j'ai des textures qui chargent genre un quart d'heure après. Ouais, et moi j'ai... Genre les textures chargent derrière moi, tu vois. J'entends mon PC qui est en full galère aussi, je sais pas ce qu'il est en train de se passer là. Mais Putain, on est au cimetière Blanchette, mec. Tu crois qu'on va la croiser? Ah, mais elle est pas morte. The boss. Ah ouais. Parce que oui, on est d'accord, hein. Oui. J'ai pas compris, mais... The boss de MGS3, c'est clairement Kate Blanchett, quoi. Ah, peut-être. Non, t'as lâché une caisse, là? Peu, non, ou... non, ça, non, c'est Spider qui a lâché une caisse. J'ai pas lâché une caisse, j'étais... Ça sent le manque de mémoire. Bah non, je me souviens bien de MGS3. Mais non, mais en plus, j'ai 16 gigas, attends, et j'ai pas les détails au max, ils vont pas m'emmerder, quand même. Je suis sûr qu'ils sont encore leur jeu à la con et qui provoque des mémoires reliques. Putain, c'est bien les mémoires reliques. Ça, c'est sympa, hein. J'aime bien moi aussi. Si on se fait buter d'ici là, Momo, franchement, je gueule. Vous avez snobé le zombie qui... Non, c'est non, oh là là. Ouais, c'est chaud. Je suis désolé pour tout le chat d'entendre Discord qui part comme ça dans la matrice, mais on n'a pas le choix. Hein. Allez, on marche dans la flotte, on s'en fout, tac tac. Canard infecté. Ouais, c'est forcément un memory leak. Ouais, hop, on traverse par là-bas, on s'en fout. Vas-y, fonce. Hein. Tac. Il y avait des bruits bizarres quand je suis passé, mais c'est rien ça. Parce que quand le dieu déconne de cette façon, c'est ton PC qui se galère avec la RAM. Bah, je sais pas, Momo, il a pareil. Bah, ouais. Ouh. Alors, peut-être que je me galère avec ma RAM aussi. Bah, mais en fait, mon jeu commence à être à moitié. Ah, saccadé. Ah, ouais. Ah non, c'est au niveau du jeu, c'est revenu, mais... Et ouais, je sais pas trop. Peut-être c'est des zones particulières qui provoquent des trucs, je sais pas. En plus, j'ai pas grand-chose qui tourne autrement. C'est pas... On verra ça tout à l'heure, si ça continue après. On est où, là? Ok. Faut qu'on marche jusque presque. Là-bas. Si on se fait buter d'ici là... Mec, s'ils nous attendent là-bas... Si on se fait buter d'ici là, mec, je joue plus jamais au jeu. Je te promets, hein. C'est ton karma. Pourquoi mon karma? Il est bien mon karma. Ça, c'est pas pour le nombre de clodos que je tape par semaine, petit coup de pied, bon. En plus, tu cherches. Avec vos primes, tous les joueurs peuvent vous traquer. Bah, c'est bien ça, donc c'est bien ce qu'il disait l'autre, c'est Spider qui connaît rien, en fait. Oh là là, mec, les ennemis, ils pop. Oh putain, c'est une salope. Attends, c'est pas... On s'en fout, on l'esquive, ouais. J'ai réussi à t'entendre à travers les lags. Ouais, c'est de pire en pire, poteau, c'est de pire en pire, vite. Faut vite se casser. Faut vite se casser. Mec, ils sont en train d'infecter notre PC. Ok. Momo, c'est bon. C'est bon. C'est bon.
Bon. Discord, c'était bon pour vous, quoi. Ouais, ça a l'air bon, là. Bizarrement. Si je bute un cheval, ça fait quoi? Maintenant qu'on est arrivé, apparemment, le truc va être moins rapide. À trois chevaux, à trois chevaux, à trois chevaux. Et ben voilà, je vous avais dit qu'on allait réussir. Mon jeu vient de crash. Attends, je rigole pas trop fort. J'adore ce que tu fais, Spider. Je peux avoir un autographe? Je vais vous brûler votre face. Ah, mais il y a une mise à jour Nvidia, je suis sûr c'est pour ça. Et le mec, il osait se foutre de ma gueule. Il faut un cheval. Si il se fait cheval, t'as une neurone. Et ben, j'arrête, je le désinstalle. Bon, j'ai pas compris, mais t'avais l'air remonté, du coup je vais dire excuse-moi, mais j'ai pas compris. Merci. Et voilà. En tout cas, moi j'ai un joli écran noir. Moi je suis au truc qui me donne les récompenses. On a tué combien de mecs au final? Ils vont dire hein. Fais voir, on a tué 5 mecs apparemment. Oh. Bah oui, c'est pour tout le monde je crois, non? Ouais, dans le résumé de mission, ouais, ok. Bon, on a tué 5 mecs. Écoute, c'est pas aussi bien. Oh, on a fait un petit chelem. C'est quand tu cognes mamie avec tes 205, mais tranquille. T'as vu, je dis bien ma blague. Ouais, mais tu vois, j'ai pris ton contenu, je l'ai adapté et je trouve que j'ai fait un beau boulot. Fais voir, qu'est-ce que. J'ai rien gagné de plus là. J'ai passé mon niveau, mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai oublié. T'as gagné le droit d'être content. Ah, et bah enfin. J'ai gagné le droit d'être heureux. C'est un nouveau. Le VTLI, je sais pas quoi là. Ça, je l'avais déjà, le VTLI Skibidibap là. Le VTLI 71 là, je l'avais déjà moi. Skibidibap. Tiens, je vais le prendre d'ailleurs, le VTLI. D'après l'ordre du jeu, c'est drôle, en 1895. Mais même ça, je suis pas sûr en plus. Mais ça me fait cracher en fait. Mais peut-être qu'on a des prototypes. Etc. Ouais, des prototypes de la NASA, bien sûr. Je vais reprendre ça, mon coutelard, j'ai toujours. C'est quoi ça? Dans mon HLM, il y a des gens qui se tabassent. Qui les blêmes? Le HLM. Et la monde du 8ème. Voilà, pistolero, c'est rang 17. Et c'est ça qui permet de tirer de quickfire. Et ça va être bien, ça. Pistolero, pistolero. D'ici là, on a salamandre et arbalétrier. Permet de régénérer plus rapidement les segments de santé. Mais pourquoi? Pourquoi c'est marqué que j'ai déjà salamandre? Non, je l'ai pas déjà, c'est parce que... Ça se trouve, c'est que ton perso l'avait déjà de base. Tu crois? C'est quoi du coup? Permet de régénérer plus rapidement les segments de santé partiellement consumés par le feu. Ah oui, rapport à la salamandre. J'ai aucune idée de... Si la salamandre, c'était connu... Ah oui, c'est inifuge, d'accord. Non. Pourquoi on fait pas des tenues en peau de salamandre, c'est complètement con? Non, les salamandres prennent feu. Ouais. du coup, attends... Non, mais je crois que c'est parce que les salamandres étaient, comment dire, dans les... Résumé intervention, ils ont été déclinés. Oh là là, quand tu parles, poteau. Ah, c'est cool parce que mon perso était considéré comme mort. Du coup, je viens de passer le niveau 11, mais oh putain, je l'ai encore. Fin du mode débutant, félicitations, vous avez atteint le succès. Ouh, t'as eu chaud là. Ouais, t'as eu chaud. Attends, le message, sachez qu'à partir de maintenant, vos chasseurs et tout leur équipement seront perdus s'ils meurent. Yes. Les chasseurs que tu recrutes, ils ont des traits et des armes de base que t'as pas forcément débloqué. D'accord, ok, donc c'est ce que vous dites, d'accord, très bien. Et du coup, je voulais voir dans le magasin pour voir si on peut pas choper un fusil à double canon là, mais ouais, j'ai l'impression qu'on peut pas encore quoi. J'ai chopé un. Quand crossbow. C'est bien ou. J'en ai un aussi, mais l'arbalète légère là, mais j'ose pas. J'ose pas la prendre en fait. Okay. C'est rang 18 le premier Caldwell Rival 78 là, avec les deux canons là que je veux. Et en plus, juste après, on a la version scié. Alors ça la version fier. Ah tu me fais chier. Ça adore la version fier, ça adore. Ouais. En bas à gauche tu as filtre pour masquer les armes non débloquées. En bas à gauche, tu en ça haut à gauche, masquer les éléments verrouillés. D'accord. Ah oui c'est vraiment j'ai rien. Ouais, non, moi c'est pareil. Vraiment que dalle quoi. Très bien. Ok. Donc en rang 9 pour l'instant on est encore des gros boulets quoi. Très bien. Bon allez je vous invite. On s'en fait encore quand même hein. Oui. On fait quoi jusqu'à 22h? Ouais. Bien. Le jeu me plaît pas du tout, si je reste c'est vraiment parce que vous me faites rire. Ah ça c'est gentil ça. Oh ça c'est gentil. De toute façon votre jeu me fait chier, je sais pas pourquoi je reste. Ça me fait chier ces trucs moi. Je sais pas si c'est très pratique dans ce jeu les double canons. Si. Y a pas de jeu où c'est pas pratique. Ouais si. Dans le truc comme ça, dans... Quoi? Je peux pas rejoindre parce que Momo a déjà rejoint l'invite.
Ah bah si, je suis dedans en fait. Oh, là, là. Mais chez moi, t'es dedans, mais t'es pas dedans en même temps. Moi, chez moi, t'es dedans, hein. En fait, chez moi, t'es dedans, mais par-dessus ton personnage, t'as l'icône comme s'il y avait pas de personnage. Oh putain, ça y est, c'est un mort-vivant. Vas-y, go, c'est pas grave, on va partir avec. C'est déjà un zombie. And John was a zombie. Et du coup, le perso que j'ai chopé, là, bah, c'était un perso gratuit, il a un fusil à pompe directement avec la hache incrustée dedans. Y'a Hoffman qui dit qu'il pourra demander aux devs comment ils expliquent la présence du haut auto-rifle en 1895 alors qu'il a commencé à être produit en 1917. Sale exactement. Connard. Hey, Hoffman, j'ai une solution pour toi. T'as reculé. T'as ta gueule. Allez, pour devenir un tireur efficace, songez à ajouter plus de traits. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, c'est plus de traits, faut être plus haut de niveau. Donc. C'est le mec, Hoffman, c'est le mec qui joue à Call of Duty Black Ops et qui fait pourquoi il y a un pistolet laser qui est pas du genre à lui. Ils ont commencé à être prenant, on me dit ça. Waouh. Wow. Non, mais là, c'est pas pareil parce que pour le coup, dans Call of Duty, il y a vraiment des prototypes, il y a des trucs qui veulent rien dire. Là, ça se veut quand même un tout petit peu, tu vois, historique. Ouais. Mais non, mais ça. Oh, et BF5 aussi. Oh. Oui, bien sûr. Bah oui. Mais du coup, c'est pas pareil parce que tu joues quelqu'un de l'armée. Là, on joue vraiment des gros paumés dans leur campagne et qui ont été recrutés à la va-vite. Par terre. Oh, prototype. Mais par contre, dans le compendium que t'as sur le menu principal là, en fait, c'est écrit par un mec dans le présent. Et qui enquête sur ce qui s'est passé à l'époque en fait. Ah, oh, c'est cool ça. Je trouve ça super intéressant comme. Ah oui. Par contre, pourquoi il écrit sur des vieux papiers? Parce que c'est merde. Parce qu'il faut c'est la classe. Bon, il est dans son truc, il est dans son élément. J'ai que 21 balles avec cette merde. Ah, c'est pas les mêmes munitions. Je pense que. C'est quoi, c'est quoi que t'as pris? C'est le Vétarli là? Ouais. C'est des munitions lourdes, c'est ça? C'est des munitions lourdes. Oui, c'est à verrou. Ouais, je sais. Oui, je me disais c'était pas semi-automatique. Mais oui. Non, mais c'est pas levier quoi. Du coup, c'est un peu plus lent. C'est pas à levier, c'est à verrou. Non, quoi? Oui, enfin, tu sais, c'est comme sur un Mosin, un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est à levier. C'est pas semi-automatique, c'est bien ce que je dis. Non, mais je sais, t'inquiète. Non, mais comparé à celui que t'avais avant, tu vois. Oui, je sais. Attends, je vais tester un truc. Attends. Littéralement taper un cheval mort, quoi. Allez, on y va. Ça allez. Ressemblerait pas un peu à Lucky Luke In the desert, there is person, excepté plein de monstres chelous. En même temps, il y a des clones en face de moi. Bon. Hey. The fuck did you call me? Hey mec, qu'est-ce que t'as dit mec? Tu vas te la péter avec ta chanchiche cocktail? Ouais, mais oui, si t'es un mec, ça va. Il manque la chemise jaune. Les Winchester, c'est à levier, les Mosin, c'est à verrou. Oh là là, oh, putain. Bon, non, un verrou, c'est comme un petit levier, je suis désolé pour non plus. Est-ce qu'il y aurait pas des gens là-bas? C'est chaud. Ouais, truc de fou. Allez, on prend l'indice. On peut utiliser les... Ouais, les tu vois, voilà. Moi et Momo, on a cet amour pour les... Quoi? Tire à l'est... Sud. Ah, d'accord. Non, t'as entendu les tirs. Je crois que tu me demandais de tirer au sud, justement. Bah, tire au sud, s'il te plaît. Non, encore. Pour vous... Non, mais pour voir un truc. In the desert, there is person except the femme qui a pris la télé, les gosses et Jolly Jumper. Is the desert, there is person, especially une restriction budgétaire. Allez, on se casse. C'est par où la prochaine? Ouais, là-bas, elle est bien à gauche. Il y en a une là-bas. Par contre, le problème, c'est que peut-être l'animation de vision occulte, elle est un peu longue. Ouais. Ouais, mais sinon, ce serait peut-être justement un peu facilitant, en fait. Surtout une fois que t'as la vision du Witcher, là. C'est de pouvoir juste hop, blink comme ça pour voir où est le mec, je pense que ce serait un peu simple, tu vois. Ouais. In the desert, there is person. Surtout pas mon fils qui m'appelle pas. Elle est bien celle-là, elle fait mal un peu, mais elle est bien. Fort karmique. Professeur Karmak. In the desert, there is person. Even my femme qui s'est mariée avec en blanc. Est-ce que je te propose, Momo, tu prends le canon sur ton épaule et moi je suis artilleur, d'accord? Et comme ça fait un genre de rampe mobile, tu seras le premier Metal Gear en fait. Oh putain, vas-y, je suis chaud. Tu seras le Silent Tropus. Ouais, j'entends des tirs. Tirer, là. Ouais. Chien.
Tu es en train de tester ça. Non mais continue, vas-y, continue Spider. Il revient vers nous, trop mignon. Ça se trouve, il va être là, le boucher, il aime bien être là-dedans. Oh, regarde, il y a un mortier là, c'est des mortiers ça. Oui. Bon, c'est un canon qui est juste en intérieur, hein, donc. Je trouve qu'il s'emmerde pas trop pour la nomenclature, quoi. Il y a deux hives. C'est rien, on va pas là-bas de toute façon. Pourquoi tu proposes ça à la seule noire de la bande? Pardon? N'importe quoi. On se désire un service personne, on est vers le coup de téléphone. Isoko, bah, il est pauvre, il est tout seul. Ah. Oh. J'entends des grougroug. Je suis moyen fan des grougroug. Je vais vous admettre. Ah, mais c'est un fat boy en plus, c'est un fat boy slim. Right here! Right now! Right here! Right now! La carte la mise à jour! Juste à côté en fait, ouais. Et, ah bah il est là en fait, non? Oui, il est là. Bah, il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé un indice et il est juste là. Oh là, ça tire. Ah, oh, tu sais, c'est dans les sous-sols, c'est dans les sous-sols, mec. Tu crois? Encore. Ouais. Il est dans les sous-sols, le monstre, ou ça tire dans les sous-sols? Dans les sous-sols. Non, il est pas dans les sous-sols. Bah, j'ai pas l'impression, en tout cas. Peut-être qu'il est haut, là. Regarde avec ta dark vision du cul, là. Il est par là. Ah, il est au-dessus, en fait. J'ai l'impression qu'il est là où je suis, en fait. Il est là-dedans, là. Ouais. Oui, ouais. Ah oui, non, il est là-bas, en fait. D'accord, il est pas dans ce bâtiment. Je suis perdu. Ah, c'est bon. Ah, ils ont mis des bouteilles. Bing, 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 bing. C'est quoi, je vais me mettre au-dessus et je vais sniper, tu vas voir. Je vais être Vasily Zaitsev. Je vais être la fierté de la nation. Enfin non, remarque, ça veut dire qu'il est nazi. Bah, je veux pas être lui, alors. Je vais être lui, mais pas nazi, d'accord? Ok. Il est juste là, là. Je l'ai vu. Mais putain, toutes les portes sont fermées dans... Vas-y, je vais passer par au-dessus. Oh! Une machine enregistreuse sur un toit. Normal, c'est au cas où t'as envie d'acheter de l'air. J'ai entendu des tirs, je crois, qui venaient par là-bas. Mais je sais pas si... Oh! J'ai trouvé une entrée, mais c'est pas... Mais il y en a une par au-dessus, par où je passe, là. Par le toit. Pourquoi ma souris ne répond plus? J'ai entendu. Ouais. Ennemi, là. Ils sont deux. Ils sont deux. Tag, une. Faut pas que je m'en monte, là. Ils sont à l'extérieur du fort, en fait. Ah bah t'es là en fait. Ils sont derrière ce truc à couvert là. Ouais, j'ai vu. D'accord, bah il m'a mis un edge. Tu te serais pas fait éclatax? Putain, il me voit l'autre con, il me voit. Tu peux le tag, tu peux le... Attends, parce que là... Non, c'est que je me rapproche des remparts là. C'est la foule de merde, poteau, ils sont là. Oh putain. Je l'ai tapé mais il m'a headshot. Putain, il a le même gun que moi en plus. J'essaye d'entrer, mais elle était par où l'entrée? je peux pas t'expliquer, poteau. j'ai pris 60 couloirs, j'ai pris des échelles, je suis ressorti à moitié. À ta gauche, là, je crois. Là Ouais. Ouais, tu peux rentrer par là, enfin... Ouais. Oh là là, c'est dommage, j'ai vraiment dit ce fromage. Je vais perdre mon flingue, moi, tu les vois, là. Ils sont là, ils te voient tous. Ils t'ont pas tiré dessus, je pense qu'ils ont un peu pitié. C'est qui ce con? Vas-y, le tue pas, il doit être spécial. Fais le zombie. Tire sur la cloche, ça va leur faire mal, un petit peu comme dans Spider-Man 3, en fait. Le canoncier d'ici, je pense que ça va être bien. Mais une petite hache. Fais gaffe, je pense qu'ils vont être là. Il y a un fat boy. Non, non, tire pas. Laisse-les. Casse-toi de là. Il est en face. Mais mec. Oh, la scène de Scooby-Doo. Il prend 300. Attends, le mec en rouge, là. Il est sorti. C'était un épisode de Bref. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Le mec le matin tourné en rond. Ça se trouve, ça fait une demi-heure, il t'a vu, le mec. T'as pas vu ce que j'essayais de faire à la fois? J'ai sauté, j'ai tourné la caméra. Non, il a essayé une bunny hop comme dans Quake. C'était une biche dans des phares, quoi, vraiment. Oh, je suis sûr qu'il y avait un point d'exclamation au-dessus de ta tête. Oh, mec. Ah, c'était génial, c'était notre meilleure partie, je crois. Tu vas en parler? Bah, j'ai perdu mon flingue, tant pis.
Chaud. Mort de rire, t'as joué comme un gros noob. Et c'est venant de Sensei 1-4-1-2-3 quand même. Le mec, il s'est compté qu'à moitié, donc fais gaffe. C'est bon, je suis pas encore 11. C'est le mec, c'est quand il balance son dos, il a fait. Alors, 1-4, merde, 1-2-3. Les fleurs, non. Les fleurs, non. Tiens, je vais prendre le samaritain, je suis sûr qu'il va être mieux comme flingue. Okay. Je suis sûr que c'est pour ça qu'on perd depuis tout à l'heure. C'est parce que j'avais pas le samaritain, franchement. On perd quand même pas mal de perso. Attends, actualisation gratuite. Ah. Non, moi ça va. C'est quoi, vas-y. Je retourne au fusil de chasse. Parce que je suis sûr que ça va bien se passer. Hop, je vous invite. C'est chiant ça qu'on puisse pas juste faire de lobby et que tes potes y restent parce que c'est long et c'est chiant en fait. Je sais très bien compter, c'est mon code postal. D'accord, tu peux filer le reste de ton adresse et les 3 derniers numéros derrière ta carte, s'il te plaît, ta carte bleue. Et ta carte aussi, du coup. Ru, t'as quoi comme matos dans ton PC? J'ai la 970 de funérail. J'ai un i7 3510K. 3510 d'ailleurs, pas K, je crois. 16Go de RAM. Je crois que j'ai un Seagate, un Western Digital et un autre truc. Et une énorme bite aussi. Un énorme Shibrax, ouais. J'ai un énorme Shibrax. Je suis très pauvre. C'est pas ça qu'on me demande. Tout le monde est pauvre, Sensei, quelque part. Quelque part, l'homme le plus riche, il dort dans un hôtel 4 étoiles. Et bah, l'homme le plus pauvre, il dort sous une infinité d'étoiles. Pourquoi je coupe le stream. Pourquoi Momo, il joue. Merde. H de. Comment dire. De. Ouais. Army of Darkness. Ouais. Enfin, de Evil Dead, ouais. 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 Cardiac de Nvidia. Ouais, mais en fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que ma carte graphique, elle a un petit peu genre. Quand je la fais tourner vénère, elle fait un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si les lags que je vois. C'est comme si t'avais pris la mer. Les lags que je vois en jeu, je les entends à moitié dans mon PC. Il y a comme des petits. Tu vois? Je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est mon disque dur. Peut-être, je sais pas. Ouais, carrément. On verra bien. Pour l'instant, ça tient. Et ça fait un stream très intéressant où le skill est présent. C'est ça qui me. Ta gueule, Spider, dit Wapfall. J'ai même pas écouté. Donc. J'ai dit un truc. Je sais pas. Donc, t'as fait une blague encore. Un roumain pour le moteur cooling, un moteur de chargeur de 69 pour la lime et un Pentium. J'ai un roumain en fait qui. Il a un verre d'eau, il fait. Comme ça. Directement sur mes composants. Oui, j'ai une adresse mail, mais c'est un secret. Je suis sûr que c'est sensei 14123@gmail.com. @caramel.fr. Pourquoi nous, on n'a pas des manteaux longs comme ils ont dans le temps de chargement, là? Moi, je suis une femme noire à poil. Oh. J'ai hâte qu'on puisse modifier nos persos, là. Ouais. surtout pour le temps qu'on passe à les perdre. Ça va être génial, poteau. À tout et à tout. Il a débarqué, il a tabassé mon lézard, il a volé ma CG. Oh, jamais je toucherai à Sanchez quand même. Oh non. Non. C'est pas moi ça. T'aurais un chat. J'aurais bien mis une targette, mais bon. J'étais en train de chercher une blague avec Sanchez, mais. C'est de mauvais goût. Un comptable Sanchez. C'est vrai que c'est con une table Sanchez. U. Oh, les oh putain, oh la vache. Take me down to paradise city where the green girl pretty. C'est bien que tu connaisses tes paroles en plus, t'as pas assez joué à Burnout toi. C'est lequel? Paradise. Je me disais que c'était compliqué aussi. Et en plus c'était chiant parce qu'elle se relançait à chaque fois que t'étais dans le menu. Oh, à chaque fois que tu faisais ça, ça faisait Take me down. C'était insupportable. J'entends des bruits. Ouais, c'est bon, c'est dans la flotte. Putain, c'est quoi cette purée de poids qu'on a? On est en Normandie ou quoi là? Purée de poids, bonsoir. Alors le stream est plus de 40 ans. Tu veux dire quoi? Oh, c'est quoi cette purée de gamer fuel? C'est purée. Oh! Ah, ils font sécher les gens ici! Ah non, c'est du maïs? Non, c'est des poissons. C'est des poissons, c'est des... T'as jamais vu du maïs comme ça? J'ai jamais vu de maïs, jamais vu de poisson à part carré et orange donc. Ça, c'est marrant ça. Ça c'est assez marrant. Qu'est-ce que tu fais avec ton flingue, espèce de débile? Tiens. Alors. Voilà, du boudin. Pour les Alsaciens, les Juifs.
Les Suisses et les Lorrains. Quoi? Ils existent aussi, hein, je te rappelle. Non, c'est des légendes urbaines. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus. Ce sont les tireurs au cou. C'est bon. Ah! Va-t'en! Je te tue! Voilà. Je prends la clou! Salut, c'est le King! Putain, en plus, y'en a qu'un seul. C'est l'assassin, il y en a qu'un seul. Assassin! Ah, j'ai freeze. Courir! Si je crois que niveau arme, j'ai vraiment fait une connerie. Vous rencontrez des problèmes de ping élevé, oh. Oh, jure! Là-bas, y'en a un autre. Ça va, t'as arrêté de freeze ou? Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Allez, cassons-nous, on va par là-bas, là. On va au sud. Est-ce que c'est bon, sud? Ouais, c'est bon, sud. Faudrait qu'on s'écarte, par contre, parce qu'en fait, quand on sprint tous les trois à la queue-leu-leu, j'avoue que c'est un petit peu demandé la cartouche, quoi. Non. Qui c'est qui avait envoyé la vidéo sur le Discord des Américains qui tirent avec des barrettes, mais genre pas allongées? Il y en a un, le mec il doit faire 140 kilos de muscles, il a un barrette dans chaque main et il tire debout comme ça, mon gars. On dirait un méchant de Metal Gear. Enfin, je veux dire, non, c'est pas un méchant vu qu'il est américain et que l'Amérique c'est la police du monde. Ave Maria. Merci. Qu'Obama nous protège. Bon, enfin, ça va être compliqué. Ah bah si, il peut, il fait du taekwondo, le mec il va t'enculer, hein, fais gaffe. Hein. Bon, enfin, je l'attends. Hein. C'est pas parce qu'il apparaît dans un épisode de Spider-Man que c'est tout de suite une star. Hein. Avec le nombre de guerres qu'il a déclenché au Moyen-Orient, tu devrais faire gaffe, poto. Parce que Valette, dans pas longtemps, c'est l'Arkansas. Hein. Tu sais que Metal Wolf Chaos, c'est basé sur une histoire vraie. J'adore Arte, mec. C'est Momo, c'est Alien Theory. Did you know? Crève Ghost Rider. Crève Nicolas Cage. C'est bon. Ah, je l'ai pas attaqué avec des dégâts perçants. Comme les K. Putain, y'a un autre là-bas. Il a un cax. C'est un cheval, lui. L'Obameka. Obamax Overdrive. Obamasqué. Ça, c'est super marrant, mec. Oh là là. J'ai plus rien si t'es un bon connard. Ça, c'est... Mais putain, les ennemis, ils pop quand j'arrive, quoi. C'est qui? C'est un gros? Attends. Viens là, salope. Vas-y, je t'en regarde. Vas-y, je t'encourage. Vas-y, tue-le. J'ai entendu des tirs ou... Non. Si. Sud. Non. Sud-est. Non, je crois que c'est... Aïe, aïe. Est. Ah, mais c'est Momo, en fait. C'est Momo qui tire? Bah, je sais pas, j'ai entendu des tirs, mais c'était pile en même temps qu'il tapait, alors... Non, y'a l'autre tir. Cash League. Ça, c'était moi, ça. Ouais, c'est vrai. Y'a des guinches, je crois qu'ils m'ont chopé. T'as pris la clou? Pas encore. Prends la clou vite, hein, parce que ça commence à sentir. Ça sent la chemoute un peu, ça sent le pimousse, hein, je suis pas fan. C'est bon, j'ai pris. J'ai un gros dans mon cul. Ça va, Allez, on se casse. On s'en fout d'où on se casse, mais on se casse, les mecs. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai pris tellement cher. On va se casser par là, regarde. On ouvre le portail et on se casse. Alors, où qu'il est, le grand méchant? Viens, Spider, il va mettre 3 ans à te buter. Ah, mais j'ai eu. Ok. Tiens, dans le cul. C'est, on dirait des petits Rottweiler en plus, les chiens. Suivez-moi, les gars. Oh, trop mignon. Oh, maman. Oh putain, les pimousses qui dit B44. J'ai réveillé un truc. Non. Y'a des chiens. Y'a des abeilles. Des abeilles. C'est des putains de guêpes mangeurs de chair, c'est... Oh, des babeilles. Putain, je suis en train de me rebouffer le cul. Si, franchement, la coopération est le nerf de la guerre. Ouais, ça va, hein. Moi, de mon côté, en tout cas. Bah, moi aussi, donc du coup, à qui le problème, quoi? Faut te remettre en question aussi, des fois, hein. Je suis en train de me soigner. Et ce fils de pute, là, derrière, c'est qui? Un chien, attends. Il a franchement pas l'air compliqué, ce jeu. Bah, quand on est contre des zombies, oui, y a pas de soucis. J'arrive pas à les toucher. Mais putain de ta race. Vous êtes tous les deux à terre? Oh, putain. Oui. Franchement, entre le gros abruti qui me regarde, je fais mort sur ce premier. Mais quoi, c'est le chien qui vous a tué là? Mais bien sûr. Mais attends, oulou. Je te fais chlasser par le chien, franchement. Je suis en train de me faire un peu bouffer, mais c'est à cause des cartouches. C'est bon.
Putain, y'en a un troisième. Fun. C'est bon? Ok. Eh B, attends, j'arrête l'hémorragie et j'arrive, les mecs, hein. S'il y a un ennemi qui arrive maintenant, franchement, je vous chie dessus la prochaine fois que je vous vois, franchement. Et je fais ça en toute amitié, hein. La 7ème compagnie au Far West. Mon copain, il foutrait tu Alai. Bisous, Shadow Army, merci de passer. Allez, on va se soigner, hein. J'ai perdu toute ma vie. C'est franchement, jusqu'à un moment il m'a regardé et il s'est foutu de ma gueule. J'ai envie de lui mettre une tête. J'ai tellement envie de lui mettre une tête, mec. Mais y'a re-Discord qui commence à chasser ouais, chez vous aussi. Putain, ouais. Ah oh. Ah bah c'est loin. Ouais, c'est super loin. Et si Discord il meurt maintenant, ça va être super fun pour tout le reste de la partie, tiens. C'est bien du matos qui tient la route quand même, hein. Allez, on va dans la flotte, c'est la fête. Sauf que j'ai plus de vie, je vais crever des raids, moi, donc... Mais, oh, sois pas défaitiste comme ça, là. Tout va bien, d'ac. On va les choper pendant qu'ils sont en train de pratiquer le rituel. On va tout prendre, et on va les enculer, tu vas voir. Tu vois, on va la gagner, celle-là. Je te parie... une Heineken tiède. Oh, super. Tu sais ouais. Me parler, là. Oh, bah, si tu veux pas... Si tu veux pas, je la garde, ma Heineken tiède. La partie du cambriolage, mon gars, c'est Oceans 2. C'est Oceans 3, mon gars. Oh, ça va chier. On s'est déjà fait manger par des chiens, ça a commencé super bien, mon gars, la partie. Apparemment, je me suis fait brûler, je sais pas comment, mais... C'est la brûlure de l'amour, ça, tu peux rien... C'est fort karmique, du cœur qui a remarqué. Oh non, encore le fort karmique, mais non, on va encore avoir l'air de con. Oh putain. Et sauf que cette fois, c'est nous qui prendrons l'avantage. Qui est tombé dans mon piège. Il y a eu un chien. Champagne, j'ai qu'un fond de bière tiède. Fond de bière tiède. Attention, coup de croche. Tac. Zidane, il l'a défoncé. Voilà. Ah. Donc il y a des explosions toi, maintenant. Richard, derrière toi. Je te crois pas. Attends, j'arme mon coup. Bim. Haha! C'est oh, bien, c'est bon, bravo! Bravo! Eh, mais il est mort, mais il a pas explosé comme ça, c'est pas grave. Si, il a explosé, j'ai pris du feu, tout va bien quoi. Petite chatte. T'es vraiment nul au jeu vidéo en fait. T'es mauvais, Jack. 300 de QI. Il est où du coup le truc? Il est là-bas? Il est là-bas. Allez, on y va les gars, on se sépare. Allez, Spider, tu te sépares. T'y vas, on te regarde. Ils vont nous voir arriver à des kilomètres. J'ai l'impression d'en avoir vu un là. Il remonte l'escalier. Ok. Il est en train d'aller dire à ses potes qu'on arrive. C'est marrant, hein. Mais j'ai pas d'arme à distance. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on va rentrer. Allez. Pas trop ce qu'il foutait, mais. Ça fout la merde à l'intérieur, là. Attention, j'arrive. Pour vous enculer. Non, il est mort juste là. Salope. Tiens, j'en ai niqué un. J'en ai niqué une. Putain. Bah écoute, on a niqué un chacun. Ah Non. Je me suis fait buter à 36 mètres. Ouais. Je sais pas où il est. Le problème, c'est que vous êtes à 32 mètres et qu'il était à 36 mètres. Donc soit il doit être pas loin de vous. Il est là, à l'intérieur. Oh non. Eh mec. Non, je lui ai foutu une cartouche là. J'espère qu'il est mort, mec. Il est où? Bah il était en face de moi, c'est en fait, dans le bâtiment. Ouais, c'est bon, il est mort. Ah putain, on s'est entretué quoi. Oh non. Oh, le truc à la BF2 quoi. Diwalla comme Disley quoi. Là, je suis en Diwalland. J'ai récupéré un bounty et ouais, j'arrive. J'ai récupéré le deuxième bounty et je me casse. Vision spectrale élective, vous pouvez désormais voir les chasseurs proches. D'ailleurs, on en est où? Eh bah, y'a personne. On a éclaté tout le monde, les potos. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, on va se casser direct vers le sud, les gars. Direct vers le sud. T'es passé par où? T'étais là, ok. Il est au-dessus, là, non? Ouais. Non, mais c'est bon, c'est mon Momo, il va. Ok. On se casse direct au sud, les gars. On reste pas plus longtemps ici. Hein. Non, ça sert à rien. Ok, j'ai mangé ma mère, mais. Je veux que mon passage de niveau 11 soit. J'ai entendu un cheval hurler, j'espère non, que c'est vous. C'est nous. Ok. Je veux que mon passage de niveau 11 se fasse dans la joie et la gaieté de la victoire.
Et du coup, l'arbalète, j'ai l'impression que c'est pas mal. Ou alors c'est que la meuf avait plus de vie, mais en tout cas, c'est la one shot. Mais vous lui avez tiré à deux dessus, non? Sur qui? Je sais pas de qui tu parles. Parce que Russian, il avait touché. Ou... C'est pas là, je me suis gouré. Non, mais Russian, t'en as tué deux, toi, c'est ça? J'en ai tué deux, ouais. Et moi, j'en ai tué un. T'as des gap au cul. Ouais. Un peu de maths et ça. Gap! Un peu de maths, ça fait 3, hein. C'est qui? C'est moi. Okay. Je fonce, hein. Vous essayez de me couvrir? Ouais. C'est fini ou pas? Je fonce avec, hein. Ouais. C'est fini les BEP? Ouais, t'as un zombie au cul. C'est rien, ça c'est rien, on s'en charge. Casse-toi. Ouais. Allez, 20 secondes, 20 secondes. Putain, je brûle ta race. Je vais me cacher pour toute ma vie, poteau. C'était moi. L'arbalète, ça fait 195 de dégâts. Yes, j'adore les chiffres, mec. Ouais. Là, ça veut dire que ça enlève... comment ça s'appelle? 2 carrés de vie, en fait. Waouh, ça j'ai tiré trop bien, mec. Tu l'as même pas tué, espèce de gros guet. Du coup, là, on a fait nos gros chacals. C'était de la chacalerie, truc de ouf. Il y avait plus personne qui avait de la vie. Ah non, j'en ai buté 3, en fait, vu qu'il y en a un qui m'a... Ah non. J'en ai buté une, moi. Mais c'est pas possible. J'en ai buté un. Si c'est possible. Si j'en ai buté 3 je crois. Mais enfin le troisième on s'est entretué quoi. Non je sais plus. Ouais. Tout s'est passé très très vite. Ton titre de stream il est horrible. C'est marrant non. T'en as buté 2 donc j'ai buté le mec avec qui je me suis entretué et l'autre qui avait faim. L'autre il avait moi, plus de munitions, il avait faim, il avait plus de sang, je l'ai fini quoi. Ok. Ça marche, ok. Je me suis fait ken par un mec que j'avais même pas vu. Grosse partie. Mais je crois qu'en fait, ça vaut pas... Putain, on a tué 14 ghouls, quoi, les mecs, ils passent leur temps à ça. Ah, 4 chiens. je crois que ça vaut vraiment pas le coup, en fait, d'être lent, d'être méthodique et tout. Faut foncer en tas avec des canons, en fait. Je crois que c'est ça, le nerf du jeu, hein. Bah, là, on a eu de la chance, j'ai l'impression qu'il y avait deux teams qui se battaient la gueule, non? Ouais, mais bon, même, tu vois, il y a toujours un contexte. Et moi, je pense que foncer dans le tas et essayer de les niquer au corps à corps... Ah, j'ai eu le 77 Talion. Fin du mode débutant. Ça va être bien ça. Ça va être bien ça. Qu'est-ce qu'il a en plus le Romero Talion, ça va? Dégâts lourds de mêlée, d'accord. Ouais. Ok. Il y a un truc sur la crosse là. Isaac. Sorte de lame. Est-ce qu'on s'en fait une dernière maintenant qu'on est tous rang 11? Voir si on perd tous nos persos ou pas. Ouais, moi j'ai déjà perdu plusieurs. Mais... Oui, mais. Bon, t'as pas tort. C'est dépressif, Momo. Ah non, mais écoute. Je vous invite. Non, c'est... il a raison aussi. Pourquoi moi aussi j'ai débloqué le Romero Talion par contre? Je comprends pas. Parce que... Bah, c'est juste parce qu'en fait tu le débloques en jouant avec le Romero. Et yes, je vois. Refous de la santé à ton perso maintenant que tu peux la perdre. Refous de la santé à ton perso. Ouais, quand tu vas dans ton roster. Ah. Tu vois. Et... Comment tu fais pour avoir... Ah, d'accord, ajouter des segments. Comment tu fais? Je vois pas. Tu vas dans ton roster et puis à côté de sa santé, à droite, il y a des petits plus. Mais ouais, tu peux le faire, moi je l'ai fait que 3 fois là, donc ça trouve toi au max. Hein. Bah... Ouais, mais j'ai qu'un seul carré de vie. Ah. Alors peut-être que ton perso est estropié alors. Ouais. Ça se trouve, il a pas de jambes. On va savoir. Ouais, c'est bon, les gars, merci beaucoup pour le tips, je savais pas. Attends, okay. Si je reviens... Non, bah je peux pas. Je vais recruter un chasseur qui va m'attendre à la maison. Je prends lui, il est gratuit. Vraiment trop le désespoir. Une fois au boulot, on m'a fait ça. On m'a fait alors j'ai besoin d'un design pour une application. On aurait pu demander à la boîte qui s'en occupe d'habitude, mais toi t'es moins cher. Mon gars, j'ai fait ah ouais. Ça a été un grand moment, grand moment de ma carrière. Ils ont pas de trait. Oui, c'est vrai. Ils ont pas de trait. C'est bon, j'ai pas pris un mec gratuit, j'ai pris Kalen RRR. Bah tu sais quoi, je vais prendre lui. Non, tu sais quoi, non. On vaut tout pour le tout, je joue avec mon perso principal. Attends, je vais juste te rajouter tous les traits possibles. Ouais, on joue avec nos persos principaux, c'est bon. Alors, on est pas des pédés, c'est qu'un perso virtuel. Hein. Tant qu'on ne perd pas notre humanité. Momo. Ouais. Quoi, Momo, c'est la merde. Je suis bien plus haut niveau que vous sur mon personnage, hein, donc moi aussi c'est la merde. Hein. Bah je suis niveau 46, vous êtes niveau 39 tous les deux. Qu'est-ce que t'es nul aux échecs?
Attends, je regarde juste si au niveau. Tu vois, dans parce que je suis en train de le regarder là, dans Shutter Island, quand il parle au médecin allemand là, et qu'il fait quel très beau mécanisme de défense. Tu vois, t'en as aucun des mécanismes de défense, toi. Toi, ton seul mécanisme de défense, c'est bip 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 bip. Si le docteur il t'avait dit vous êtes un homme de violence, monsieur Teddy, t'aurais fait regardez-moi, je suis allemand. Il serait foutu de ta gueule, poteau. C'est bon, je suis allemand. Regardez-moi, j'ai des lunettes et quatre yeux. Il fait une petite claque derrière la tête. Okay. Le mec, c'est Alceste. Qui ça? Dans le petit Nicolas. Ah putain, donc c'est bien une référence au petit Nicolas. C'est la version de Alfred Coppola, c'est la version porno, le petit Nicolas, avec inceste. Nigné, j'ai perdu deux fois la guerre mondiale, Nigné, ma femme me trompe. Alceste, quoi. T'as fait une référence au petit Nicolas. Je crois que c'est la deuxième. Alors, attends, de toute la Mégaforge, mec. Je fais des références à Fatal, on me dit oh, tu fais des références à des trucs musicaux chiants, tout le monde fait, oh, t'es trop casse-couille. Tu fais des références au petit Nicolas, un truc planqué et pas trop con. Bah oui, du coup, pourquoi tu te plains? Il est con, quoi. Je préfère le petit Grégory. Waouh, yes, Slay. Alors, ça, c'est de l'humour, ça. Ça, c'est de l'humour. Ça, c'est de l'humour canard enchaîné, ça. C'est de l'humour Charlie Hebdo, ça. Avant, ouais, pas fusil. Pendant. Fini le dessin. Pff, oh merde. Oh non, j'ai tout taché. Du rouge là. Donc ça y est, c'est parti, on a plus aucun respect. Okay. Ouais, c'est pas très Charlie. Bah si, justement, c'est Charlie comme humour, c'est totalement Charlie comme humour ça. Se foutre de la gueule des morts, il faisait que ça en boucle, s'il te plaît. S'ils entravent pas la reprise, c'est bon, c'est pas notre faute hein. C'est le match retour. Aucune race, c'est homme. Charlie Hebdo de Electric Boogaloo. Charlie Hebdo. Avec un apostrophe, tu sais, comme pour Alad 2. Et avec comment il s'appelle, Christian Clavier. On peut trouver ça dans le générateur de films avec Christian Clavier, vous le connaissez le truc? Ouais. Non, c'est bien. Hein. En gros, c'est un générateur de synopsis de films de Christian Clavier. Et c'est travaille dans une petite bourgade tranquille et riche et aisée. Et un jour, et puis du coup, t'as des trucs automatiques ou aléatoires, tu vois. Un jour, un handicapé vient chez lui, ou un jour, un arabe vient chez lui, ou c'est comme ça, tu vois. Ok, alors attends, elle est où la pipe pute? Elle est là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas regardé. C'est rien ça. T'as vu ce qu'il a écrit, Wap ou quoi? Bataclage électrique Boogaloo. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Allah? Featuring Kev Adams et Christian Clavier et Gad Elmaleh. Y'a une échelle? Non. Je suis en train de faire le tour pour rien du tout, poteau. Mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi ça? Ah, ça crie derrière moi, j'aime pas trop trop. T'inquiète, c'est l'étage. Ouais. Oh, c'est l'étage d'où t'es maintenant, quoi. D'accord, ouais. Ow. Ouais, en effet. Claque ta merde. Ah putain, mais oui, c'est les dégâts du coup qui coupent. Ah, putain de flingue de merde. Attends, non. Arrête. Je veux pas cramer maintenant. Pas cramer. C'est bien. Merci, poteau. Attends, je me fous un petit... C'est bon. C'était... Ah, tu m'as tiré dessus, ouais, c'est bon, ok. Mais je t'ai pas tiré dessus. Oui, enfin, j'ai entendu un piou, c'est pour ça, j'ai eu peur. Ok, c'est juste sur le côté, là. Il fait quoi, Elmaleh, en ce moment? Je sais pas. Il est en train de se chier dessus. Il y a deux clous, l'une à côté des autres, je crois, en fait. L'une à côté de l'autre. J'ai l'impression, ouais. En fait, c'est dans les lieux... Putain, encore! Mais il sort d'où, lui? Mais c'est pas possible! On a la chkoumoune ou quoi? En fait, ouais, c'est ce que je voyais des fois sur des vidéos, c'est qu'en fait, dans les villes, style le Havre-Saumâtre, le quai au milieu... Et à l'abattoir, il y a toujours deux clous. Ah! Ah, je l'ignorais! Le problème, c'est que bah, du coup, ça veut dire que beaucoup de gens vont voir pour choper rapidement les clous. Tu crois? J'ai l'impression que les gens ils vont un petit peu là où c'est le plus près, plutôt. Non, va prendre la deuxième clou direct. Elle est où? Elle est par là. Je tire, hein, c'est bon, non, c'est moi, j'en ai marre. Ok, alors. Mauvaise idée. Insistons. Mmh. C'est qui gling gling là?
C'est je moi, sais je pas, crois. J'entends des gling-gling. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi, non. Il y a un truc qui gling-gling en boucle, en tout cas, hein. C'est lui ? Attends, non. C'est lui, ouais, c'est lui. Aïe. Je brûle, là. Ah, je brûle. Putain, Audi. Bon, la nique, c'est deuxième clou ou... Ah, il y a... Attention. Maman. Allez, bonne nuit. Faut pas faire des dégâts qui percent, fais gaffe. Vas-y, fais les dégâts qui percent dans la gueule. Oh, non. Eh, j'en ai marre d'être brûlé, mec. Je passe mon temps à me faire cramer, c'est pas possible. Eh, mais il se barre en plus, l'autre. Oh, l'enculé. Oh, quel gros enculé. Il est pas mort. Finis-le, finis-le. Je t'en supplie, je t'en supplie, Spider. Je t'en supplie. Oh. Oh, putain. Ça va. Oh, putain. Mais toi, mec, compte plus jamais sur moi, quoi. Dis qu'on l'a eu, des éclats. Oh, putain. La coop, c'est le nerf de la guerre. Non, oh, putain, il y a des chiens. Bien. Allez-y, les gars. vous savez y faire, oh, les mecs. Il y a des tirs sur la droite. Et c'est tout proche. Fais gaffe au monde derrière toi. Il y a un autre zombie. Ok. Non mais sur à l'ouest, il y avait des tirs. Ah ouais, proche. Une explosion au sud-ouest. Mais bah y'a une clou en fait à l'ouest, alors ça se trouve, on va aller voir. Momo, tu m'as foutu un coup. Non. Non. Pas mon genre. Oh, ça me ressemble pas, ça. T'es sûr? Je vais rusher dans la clou et je vais l'enculer, le mec. Tu vas voir. C'est vachement loin de nous là. Vous allez tous être pantois. Ah, ah là, je suis du... Ça grogne à côté de moi. J'aime pas trop le. C'est un chien, c'est des chiens, c'est des chiens de fou, mec. Casse-toi. C'est tous morts. J'arrête pas de me faire buter le cul par tout ce qui passe, quoi. Tu lâches du rouge. Sans déconner. Arrête. Il y a une clou à gauche aussi là. À gauche. Ok. Ouais. Celle où on allait, tu veux dire? Ouais. Est-ce que tu penses qu'elle va être orange? Ça fait gling. Ouais, ça fait gling. Ouais, ça marche de ouf, il croit qu'il est tout seul, le mec. Oh, non, 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 au-dessus! Je l'ai vu. Tu l'as sans vu? Toi. Sans toi? Ouais, sans toi. Ouais. Là où j'ai ping. Vraiment là où il a ping, ouais. Ah, il est rentré à l'intérieur, je pense, de toute façon, là? Ouais, je pense. Il a dû nous voir aussi. Les gars, il va falloir y aller, j'y vais, j'entre. Ouais, non, 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 il nous voyait. Il est encore sur le toit, Momo. Encore sur le toit? Ouais. Oh, ça m'a tiré dessus. Il est encore sur quelque le toit. Quelque part, c'est un lâche. Touché. Essaye de faire le tour un peu. Attends, je suis poursuivi par tous les zombies du monde. Je pense que je vais faire une retraite et revenir après parce que... Aïe, 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 aïe. Il est où? Tu feras attention, il y a des zombies, hein. Hein? Ah, merde. Ok. C'est juste pas les zombies. Non, non, débile. Allez, nique ta mère, voilà. Il était où, ce bâtard? Il était sur le toit. Il est... Non, il était juste là. J'aimerais bien que les zombies nous laissent tranquille. Putain, il ressemble à Bertrand quant à lui. Il m'a buté. Ok. Il est où? Bah, là où j'ai ping. Sur le toit? Non, là où j'ai ping. Il est là. Fais gaffe, devant toi, Spider, il va arriver. Je sais, j'ai touché. Il y en a un autre. Il y en a un derrière et... Oh merde, putain, mais je rate pas. Mais quel con. Mais il me tire au-dessus, il est au-dessus. Non, il tire pas à travers. Il était au-dessus, je l'ai vu. Fais gaffe, il va arriver. Putain. Attention, il est meilleur que toi. Casse-toi. Non. Pour la dernière partie avec nos persos constants, c'était bien. C'était super. Je m'ennuie. C'était bien. Ah, c'est cool. Il y a mon père qui vient faire un tour. Bonjour. Ils ont dit bonjour. Bonjour. Mmh. Ouais. Bon, et bah écoute. C'était bien. C'était bien, hein. Il y a des gens qui parlent. Tu regardes, tu dis rien. Ah oui, je peux pas voir en bas. Pourquoi tu peux pas regarder en bas? Bah parce qu'il y a pas de live, donc je peux pas aller voir sur Twitch. Mais pourquoi tu veux regarder le live? Il y a pas de live là, vous êtes pas... Mais si! Bien sûr que si. Ah, mais en bas, je peux pas. On peut pas se connecter, y a pas de Xbox. Donc live. En fait, tu viens regarder directement dans les backstage. En direct. Ouais, t'es en direct, ouais. Hein? Dans les bureaux de la diffusion. J'entends pas. Je suis venu dans les bureaux de la diffusion. Dis surtout de pas dire le truc raciste, hein. Non.
Apparemment, faut que tu dises des trucs racistes. Non. Ça dit bonjour, monsieur Teddy, quand même. Ils disent bonjour, monsieur Teddy, mais c'est pas ça. En fait. Non, c'est pas ça, non. C'est Jean-Marie. Et c'est Jean-Marie. Bonsoir. Et allez, c'est parti. Tu sais qu'on peut se faire. Bannir. Bannir. Oui, c'est bon. Bonsoir, Dieudonné. Ça va être long. On va être banni pendant tellement longtemps, poteau. Ah, mais c'est bon, t'as fait pire. N'importe quoi. Spécialement, mec. À noir, il y a noir à l'écran. Hein. Oh. Ouais, alors bon. Bon, là. Ouais. Là, c'est chaud un peu. Je pense. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Parce que c'est le masculin de Marine. Oh, pff, oh là là, mec, c'est bidon. C'est l'impression du monde de Nemo. Tellement bidon, gars. Bref, et eh ben écoute, on a tout paumé. Ouais, je me suis retrouvé avec un vieux personnage avec une moustache. On s'est fait éclater comme des connards en plus. Mes petits farfadets. De quoi tu parles, toi? qu'est-ce qu'il a dit? Un truc qui nous ferait bannir. Ah ouais, d'accord, un truc qu'il faut pas forcément entendre, ça va, j'ai parlé au-dessus, du coup ça va. Ouais. Ok. Il dit des trucs chelous, ton daron, quand il balance pas des mottes de terre. Bon, et bah bref, c'était. On a gagné deux parties sur 60. Ce qui était pas top. On va s'entraîner et je pense qu'au prochain stream de Hunt Showdown, on va éclater tout le monde, ça c'est évident. Oui, ouais. En tout cas. C'est, ouais, non, rien. Je vais fermer ma gueule, c'est bien. Oui, donc ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, exprime-toi, ouais, là, ça a l'air intéressant, non? Non, c'est pas la peine. Pars de ma chambre. oui, non, mais t'es petit. Plus tard. Un humoriste Oh! Je l'ai entendu d'ici. Elle est éclataxe. Je sais pas, vous l'avez entendu sur le stream ou quoi? Je pense que vous l'avez entendu sur le stream, je sais pas si. Je l'ai pas entendu, moi. Vous l'avez entendu? Non, il a dit. Qu'a dit un humoriste juif quand il fait une blague de merde, il a fait un four. Donc, on est quand même sur de la carambar vénère, quoi, en fait. Non, mais, du coup, ce que je disais, c'est que pour l'instant, on n'a pas grand-chose de prévu samedi, il me semble. Ouais, pour l'instant, je crois qu'on a même tellement pas grand-chose qu'on a rien, en fait. Je crois que c'est plus ou moins ça, ouais. Du coup, peut-être s'en refaire samedi. On pourra faire ça. Ça se trouve, on fera un truc en première partie de soirée avec plus de monde, et puis ensuite, on pourra se faire un bien sûr. Ouais. Et d'ici là, on va s'entraîner activement. En tout cas, je vais abandonner les deux trous de balle et je vais lancer sur le Fallout 4, donc partez pas. On vous fait de gros bisous. Ils vous font des gros bisous aussi. Vas-y, prouvez-le. Voilà. Et puis, à plus, Dak. Allez, bisous, les gars. À tout de suite. Partez pas. À tout de suite. Yes.